Voilà, en tout cas, juste pour clarifier, parce que les programmes de l'ACFAS et d'autres contraintes académiques nous demandent de faire les choses d'une certaine façon que ça répond pas toujours nécessairement à ce qu'on va faire réellement. Donc, aujourd'hui, on a trois présentations en fait. La première, c'est en solo et c'est Charlie qui va nous présenter pour commencer la journée. Ensuite, il va avoir une présentation en duo. Mélanie et Christophe qui vont faire une présentation avec des activités intégrées. On va vous faire participer les personnes à distance. Merci d'être là encore aujourd'hui. Et la troisième présentation, ça va être une présentation à cinq et aussi avec des activités intégrées. Donc, on a une journée quand même léger, dynamique, l'après-midi, les retours, je vais animer un retour collectif aussi. Et ensuite, on finira avec la conférence de clôture d'Émilie Morin. Donc, ça va être ça le plan de la journée. Je te donne la parole, Nadia, pour introduire Charlie et commencer la journée. Merci. Donc, la première personne que je vais présenter aujourd'hui, c'est Charlie Renard, qui vient de l'Université de Nantes. Le titre de sa présentation, c'est « Faut-il imposer une dictature écologique? Analyse comparative des spécificités d'un thème sur les rapports au savoir des élèves du secondaire. » Charlie, si tu veux te présenter un petit peu avant de commencer ta présentation, c'est à toi de voir si tu veux nous en dire un petit peu plus. Tu disposes de 20 minutes. Merci beaucoup Nadia. Ben, bonjour à tous. Je vous parle depuis la France, en Normandie, à Honfleur, plus précisément, si vous connaissez. Aujourd'hui, je vous fais une présentation qui est en fait tirée d'une partie de ma thèse en cours sur les rapports au savoir et l'argumentation des lycéens en classe de philosophie en France. Et je suis allée observer pendant toute une année l'année dernière donc des élèves en classe et en ce moment je suis en train d'analyser les ateliers je suis en train de faire les verbatims, en train de les transcrire et bah, en fait j'ai un des ateliers que j'ai observé qui s'intitule « Doit-on instaurer une dictature écologique ?» et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de profiter à la fois du fait que j'ai besoin d'analyser cet atelier pour ma thèse et puis étudier justement en lien avec mon sujet les rapports au savoir et donc les comparaisons avec les autres ateliers que ces élèves ont menés. Alors, hop, tac. Alors déjà, quelques points sur le sujet en lui-même. Ça peut être intéressant de commencer par ici. Donc, doit-on instaurer une dictature écologique? Déjà, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que bah, c'est une question originale pour un cours de philo, en terminale en France en tout cas. Déjà, pourquoi? Parce qu'on doit se prononcer sur quelque chose à faire et non pas seulement à savoir. C'est un petit peu la même chose avec les dilemmes moraux, hein. Souvent, c'est très engageant pour les élèves parce qu'il y a quelque chose à faire, hein, quelque chose de concret. Ce n'est pas une question classique non plus en cours de philo en terminale parce qu'elle est chaude. Doit-on instaurer une dictature écologique? Parce que d'habitude, les questions philo, en tout cas dans le programme en France, elles sont souvent froides et anhistoriques. Par exemple, je suis allée regarder s'il y avait eu des questions au baccalauréat qui portaient sur l'écologie. En fait, il y en a eu zéro. Il y a eu zéro texte non plus qui portait sur l'écologie, mais ça va être plutôt sur des notions abstraites comme la nature ou les devoirs moraux envers la nature. Donc, on va avoir des sujets comme avons-nous des devoirs envers la nature? Ou un sujet qui est tombé l'année dernière en classe technologique, transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Donc, vous voyez, c'est des questions qui sont très abstraites, mais ça porte pas, c'est pas autant vif et chaud que doit-on instaurer une dictature écologique? De même, il n'existe pas encore de dictature écologique, donc c'est vraiment une expérience de pensée qui est proposée ici aux jeunes. On peut faire un fort potentiel d'hypothèses, de réflexion, et donc ça stimule beaucoup la pensée créative. Et puis enfin, ça convoque explicitement des savoirs historiques avec la notion de dictature, politique également, et puis écologique, puisqu'on parle bien d'une dictature écologique. Donc ça semble être une opportunité pour les élèves de développer un travail d'argumentation et de débat en classe sur les manières citoyennes de s'engager sur ces questions.
De plus, on pourrait se dire que le traitement d'une telle question, ça pourrait contribuer au développement d'une attitude plus critique chez les apprenants et permettre d'amorcer une réflexion à caractère épistémologique quant à la nature des sciences, que ce soit les sciences exactes ou humaines et sociales. Alors, c'est une question originale, mais c'est aussi une question stimulante pour un cours de philo, pour un dialogue philo en classe terminale. Pourquoi stimulante? Bah parce qu'on a deux termes qui sont connotés affectivement et axiologiquement. Bah, la dictature, qui est plutôt connotée négativement pour les élèves, pour beaucoup de personnes en vérité, et puis l'écologie, qui est plutôt connotée positivement. Et donc là, il y a une tension vraiment axiologique et affective au sein même du sujet. Entre parenthèses, je vous ai mis en fait les extraits, les tours de parole du verbatim que j'ai extraits, qui justement mettent en évidence chacun des éléments. C'est aussi une question stimulante parce qu'elle a un fort potentiel problématisant. Elle nous permet d'opposer l'intérêt particulier et individuel. Elle permet aussi de se demander à la fois les questions de possibilité technique ou scientifique, est-ce que c'est possible de mettre en place une dictature écologique? Et c'est la question de son acceptabilité sociale et morale. Et donc, il y a vraiment cette notion d'interdisciplinarité qui peut aussi être au cœur de cette question. Elle permet un travail conceptuel sur la définition de la dictature écologique, sur la définition de la dictature tout court, et aussi sur la définition de l'écologie, hein. Donc ça, c'est tout un tas de choses que j'ai pu observer aussi dans le verbatim. Elle permet, comme je vous disais, de faire appel à des savoirs scolaires, à la fois l'histoire, le développement durable, puisque en France, ça s'appelle encore développement durable, la question de la technique, le rapport du GIEC, et puis aussi des savoirs philosophiques. Et puis enfin, c'est une question intéressante parce que ça permet aussi de faire une réflexion méta sur la filière ST2D, STI2D, qui est en fait la filière de ces élèves qui sont observés. Et ça correspond justement à une filière qui sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, hein. Donc c'est vraiment une filière qui a été créée en 2013 et qui justement a des savoirs plus particuliers sur la question de l'écologie. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'ai envie de très rapidement vous mettre un extrait du verbatim que j'ai étudié, un extrait qui est justement un peu problématique, puisqu'on a plein d'espérances quand on voit le sujet, et puis bah, parfois la réalité, c'est autre chose aussi avec les élèves. Donc là, c'est un extrait dans lequel vous avez un élève qui commence par dire bah, ça commence à être un peu tard finalement pour réagir pour l'écologie. Et puis ensuite, il nous dit. 141, bah, nous encore ça va, on va pouvoir faire notre vie tranquillement. Et là, tout de suite, en fait, ça crée une réaction de la part des autres qui disent même nous, ça va être chaud, encore un quand tu vois, mais tu as vu comment il a fait chaud cet été? Et lui qui répond, bah non, bah, c'est pas grave, ça, l'été, c'est tant mieux qu'il fasse chaud. Et puis un autre qui dit, mais enfin, tu te plains parce qu'il va faire le chaud l'été? Et l'autre qui dit, bah, dans 30 ans, tu vas mourir d'une canicule. Et puis, bah, voilà, là, typiquement aussi, l'autre qui répond, bah, ce sera le désert dans 10 ans, tu vas vouloir faire les malins, combien de temps il te reste à vivre, etc. Donc là, on a vraiment un échange qui aussi est symptomatique de ce genre de situations qui peuvent arriver quand on aborde une question telle que celle-ci en classe. Et on voit bien qu'à la fois, on a des réactions qui sont de l'ordre de l'émotion, de l'apport de savoir, et puis on n'est plus vraiment non plus dans l'argumentation. Et alors, vous voyez, là, je vous fais juste un petit extrait aussi, parce que c'est un petit clin d'œil pour mes amis canadiens, où à un moment donné, juste, il y en a un qui dit, je rebondis sur ce qu'il a été dit, parce que Guillaume, vous savez qu'il a fait 50 degrés au Canada cet été. Bah oui, mais il a fait moins 50 cet hiver. Au Canada, on est au nord, ok, mais vous pensez qu'en Normandie, là, il pleut tout de suite, etc. Donc, vous voyez, il y a aussi cette idée que il y a deux élèves qui réagissent, mais sont vraiment réactifs, c'est-à-dire qu'ils vont être dans soit le rire, soit dans la provocation à ce moment-là. Donc là, c'était vraiment très rapide. On pourra revenir, si vous voulez, sur le verbatim après, mais juste pour vous dire que on aborde une question, on peut avoir plein d'éléments qui sont philosophiques, comme la conceptualisation, la problématisation, mais il y a aussi des passages qui peuvent être beaucoup moins intéressants cognitivement et aussi forts en émotion. Donc ça pose question. C'est aussi dû au fait qu'elles soient formulées au présent réel et pas de vérité générale, contrairement à la plupart des sujets philosophiques. Donc là, il y a une urgence de la décision, hein.
Doit-on instaurer une dictature écologique tout de suite maintenant, hein, c'est pas dans 50 ans, 100 ans ou 200 ans. Et puis, c'est une question qui nous concerne. Il y a un enjeu émotionnel fort, hein, dans la discussion, on aborde la crise, la catastrophe, la famine, la mort. Et puis, il y a la question de la posture de l'enseignante aussi. J'ai pas eu le temps de vous montrer juste avant, mais dans le verbatim, elle prend pas mal la parole et aussi pour donner son avis. Donc, ça pose la question de l'impartialité et l'impartialité notamment engagée. Ça pose aussi la question des statuts des savoirs et des différentes conceptions épistémiques et épistémologiques qui sont véhiculées et qui sont en tension dans ce dialogue. On a à la fois des rapports au savoir liés aux sciences qui vont être davantage positivistes et en même temps, on est en cours de philo, comme ils disent, et donc bah, finalement, ils vont plutôt aborder une posture relativiste, voire subjectiviste. Et donc là, si je vous ai montré cet extrait très rapidement, c'était pour illustrer l'idée qu'il peut y avoir aussi, et c'est la crainte que peuvent avoir certains professeurs, une dérive du dialogue qui était exploratoire vers une dispute ou une simple accumulation d'idées. Alors du coup, là, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui est en lien avec mon projet de ma thèse en cours, hein, c'est la question de savoir qu'est-ce qui, dans les interactions argumentatives, est de nature à construire ou renforcer certains rapports au savoir. Et donc, ici, c'est vraiment l'importance du contexte. Et c'est aussi pour la question là, que je veux aborder avec vous, c'est pour en quoi cette question-là en particulier, ce contexte-là d'argumentation, peut générer certaines problématiques. Alors, pour l'importance du contexte et à propos des rapports au savoir, on a différentes références théoriques qu'on peut convoquer, à la fois les travaux d'Escol, Charlot, Rayou, Bottier-Rochex. Sur la question de l'influence des thèmes sur les croyances épistémologiques, on a Kuhn, on a Mathieu Gagnon, on a Zeidler, aussi sur la discipline académique. Le lien aussi avec les rapports au savoir des enseignants, et puis quelque chose aussi qui est très important, notamment pour cette question écologique, le rôle des émotions dans l'argumentation et leur régulation, et justement, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un discours exploratoire à une dispute ou une accumulation d'idées. Alors, on peut retrouver plus synthétiquement cette idée des quatre facteurs d'influence des rapports au savoir dans plusieurs textes de Mathieu Gagnon, avec ici résumé. Alors ici, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc, comme je vous disais, le lien avec les émotions pour les conceptions épistémiques et épistémologiques. Notamment parce qu'il y a certains travaux qui ont montré que certaines conceptions épistémiques, ça génère de l'anxiété chez ceux qui s'apprêtent à argumenter. Par exemple, ceux qui ont un rapport épistémique plutôt de l'ordre du positiviste, de l'ordre de la certitude vis-à-vis de l'objectivité vis-à-vis des sciences, ben, ils vont plutôt aborder le dialogue avec une certaine anxiété pour l'argumentation. De même, dans les travaux de Claire Polo, on trouve l'idée que finalement, une certaine posture épistémique, la réflexivité, par exemple l'autocorrection, l'autocritique, les concessions, eh bien, ça peut aussi mettre en place, assurer un climat socio-affectif propice au raisonnement. Donc, il y a toute cette question-là du caractère épistémique, des conceptions épistémiques qui sont liées avec l'émotion, qui m'intéresse aussi aujourd'hui. Alors, ma problématique et ma question de recherche, ce sont les suivantes. Des rapports au savoir et au langage particuliers se développent quand on argumente philosophiquement avec les pairs, et en même temps, ces rapports sont nécessaires sous une forme primordiale pour que des jeunes s'engagent dans une argumentation philosophique, ici sur l'écologie. Et pour dépasser ce paradoxe, hein, ce côté un peu circulaire, hein, du rapport au savoir vis-à-vis de l'argumentation, eh bien, il faut étudier les manifestations, donc épistémiques notamment, en prenant en compte les particularités du contexte dans lequel les conceptions épistémiques interviennent. Et donc, ça amène à se demander comment ces conceptions épistémiques changent en fonction du contexte et surtout comment définir ce contexte. Et donc, qu'est-ce qui, dans la situation argumentative d'une question socialement socio-scientifique ou question socialement vive sur l'écologie, serait de nature à installer ou renforcer certains rapports au savoir? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est les émotions, soit liées simplement à l'interaction, soit liées au thème, hein, ou la posture enseignante qui pourrait générer, installer, renforcer certains rapports au savoir? Alors, comme je vous disais, hein, ici, les participants, ceux que j'observe ici avec vous, c'est une classe de terminale, donc entre 16 et 19 ans, en voie technologique, STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, qui a suivi un enseignement de philosophie pendant une année scolaire et à raison de 2 heures par semaine.
Et donc, j'ai observé cinq activités orales collectives dans cette classe-là, que j'ai filmées et que j'ai enregistrées. Et là, je vous propose de faire une analyse comparative de trois ateliers dont je vous ai mis les sujets. Donc, doit-on instaurer une dictature écologique? Doit-on obéir? Et peut-on dire à chacun sa vérité? Donc ici, je vais faire une analyse à la fois descriptive et comparative. Je vais essayer j'ai compté le nombre d'interventions épistémiques et épistémologiques. J'ai essayé de comparer justement en fonction des thèmes, est-ce qu'il y avait des différences? Et j'ai essayé d'analyser aussi le contexte en fait, d'apparition de ces interventions épistémiques et épistémologiques. Alors voici mes résultats. Ici, vous pouvez voir donc, il y a trois colonnes avec les trois sujets. Hein. Et puis, à chaque fois, certains éléments. Donc, d'abord, pour pouvoir avoir une idée, un ordre de comparaison, j'ai mis le nombre de tours de parole entiers dans le dialogue. Donc, 318 pour le dialogue sur la dictature écologique, 370 pour doit-on obéir, 437 pour peut-on dire à chacun sa vérité. J'ai aussi mis le nombre de tours de l'enseignante pour qu'on ait une idée aussi de la proportion de l'intervention de l'enseignante dans le dialogue. Donc, vous pouvez observer qu'il y a beaucoup plus d'interventions dans le dialogue sur l'écologie que les autres, et notamment le tout dernier, peut-on dire à chacun sa vérité, où on est carrément à deux fois moins d'interventions. Je trouve ça quand même assez révélateur. Et puis ensuite, donc, le nombre de tours ou de séquences épistémiques et épistémologiques en fonction des dialogues, on remarque qu'il y a un énorme taux, évidemment, pour le troisième atelier dont le sujet hein, porte évidemment sur les conceptions épistémiques et épistémologiques. On est en plein dedans, donc ça paraît normal d'avoir 83% d'interventions épistémiques et épistémologiques. Et finalement, les quelques interventions qui ne le sont pas, en fait, c'est juste des interactions, je dirais, sociales ou affectives, c'est-à-dire ce que tu peux répéter, je n'ai pas entendu. Enfin voilà, c'est vraiment plus de la régulation du discours et du dialogue plus que autre chose. On voit que pour le deuxième, doit-on obéir, on a 25% qui sont des interventions épistémiques et épistémologiques. J'ai mis aussi sous forme de séquence parce qu'en fait, vraiment, ce qui m'intéresse aussi, c'est non pas d'isoler en fait les interventions épistémiques et d'étudier le cas individuel en fait chaque élève, mais bien de voir comment ça agit dans l'interaction, comment ça agit dans le dialogue. Et puis, on remarque qu'il y a un taux beaucoup plus faible pour le dialogue sur l'écologie, où on a seulement 12% d'intervention épistémique et épistémologique, et encore, il n'y a pas d'épistémologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion sur la nature des sciences et sur comment on élabore les savoirs. Et là, les cinq séquences que j'ai isolées, elles sont centrées sur les savoirs, c'est-à-dire c'est vraiment ça qui est mis en jeu, sauf qu'en vérité, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que j'ai même eu du mal en fait à isoler ces interventions épistémiques et épistémologiques parce qu'elles ne sont pas du tout explicites, contrairement aux deux autres. Dans le sujet sur « peut-on dire à chacun sa vérité ?» et dans le sujet « doit-on obéir ?», en fait, les élèves explicitement disent la vérité à propos de la justice ou à propos de la morale ou la vérité en mathématiques, elle est, etc., etc., objective, certaine, relative, etc. Ou alors, ils vont dire, pour savoir, par exemple, pour le troisième dialogue sur peut-on dire à chacun sa vérité, eh bien, il va y avoir d'où viennent les sciences, est-ce qu'on découvre, est-ce qu'on invente. Donc là, c'est vraiment très explicite. Alors que pour le dialogue sur l'écologie, en fait, ce n'était pas du tout explicite. Et si j'ai isolé ces séquences-là, c'est parce que je trouvais intéressant le rapport justement au savoir qui était inclus dedans. Et notamment le fait, c'est celle que j'ai mise en vert, ce sont des séquences qui, dont d'ailleurs celle que je vous ai montrée au début fait partie, il y a vraiment cette idée que c'est une réaction face à un autre élève qui a dit quelque chose qui les choque et donc ils ont besoin d'apporter du savoir pour le contredire. C'est ce que j'explique juste après. Si on compare donc les conceptions épistémologiques que j'ai inférées de des interventions, on remarque que pour le troisième, donc peut-on dire à chacun sa vérité, on a du réalisme, du positivisme, on a aussi du constructivisme. Je vous ai mis toute la série des rapports au savoir. Mais donc on a quelque chose qui est très très varié. Pour doit-on obéir, on a aussi quelque chose de très varié à propos de savoir éthique. Hein, d'où viennent-ils, comment on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Et par contre, pour le dialogue sur l'écologie, on voit que majoritairement, les vérités affirmées sur l'écologie, elles sont faites avec certitude, il y a très peu de doutes, il y a un caractère incontestable de la réalité du changement climatique, une objectivité des faits,
Il n'y a pas de constructivisme, contrairement à ce qu'on a, par exemple, dans les deux autres. Et puis, il y a dans les séquences en vert que j'ai mis dans la page précédente, on a vraiment cette idée de... en fait, elles interviennent, ces savoirs-là et ces interventions, elles arrivent pour rejeter l'insouciance. On a notamment Guillaume tout à l'heure qui disait, en fait, peut-être qu'on a le temps, peut-être que ce n'est pas si grave. Et donc, pour... contrebalancer en fait cette insouciance, les élèves en fait se sentent obligés dans l'argumentation d'apporter des savoirs. De même, ils réagissent aussi à l'incohérence du discours technoscientifique face à la conditionnalité de la coopération. C'est notamment quand quelqu'un il dit après tout pourquoi si on nous dit il faut être plus écologique, mais il y en a encore plein qui prennent l'avion, il y en a encore plein qui font de la Formule 1, etc. C'est pas logique. Et puis il y a quelqu'un qui répond de façon technoscientifique, et en fait les autres réagissent très très vivement parce que c'est pas la question. La question n'est pas technoscientifique, mais bien éthique et de l'ordre de la coopération. De même, dans le dialogue sur l'écologie, on a par contre, une pluralité des perspectives morales, même si elles ne sont pas évaluées épistémiquement ou épistémologiquement. Donc, on pourrait dire qu'on a, pour le dialogue philosophique sur l'écologie, une rigidité épistémique sur les savoirs écologiques. Pour le dialogue sur doit-on obéir, on a plutôt une flexibilité épistémique et un pluralisme. Et pour peut-on dire à chacun ses vérités, on a cette fois-ci une rigidité épistémique parce qu'en fait les élèves ils campent sur leur position, mais en revanche on a la possibilité de dire plusieurs positions. La question est vraiment ouverte pour eux. J'ai rappelé les types de savoirs qui sont convoqués aussi pour montrer que ce qui est vraiment intéressant pour le dialogue philo dialogue sur l'écologie, c'est qu'il y a de nombreux savoirs. Et puis, j'ai aussi rajouté l'idée que je voulais savoir si ces questionnements épistémiques et épistémologiques, ils étaient initiés par l'enseignante. On voit que, alors, il n'y en a qu'un seul sur le développement durable qui est initié par l'enseignante. Il y en a assez peu relativement au nombre de tours de parole dans les autres. Donc, ça veut dire que si on pourrait juger qu'il manque une évaluation épistémique et épistémologique dans le dialogue sur l'écologie, ce n'est pas uniquement dû au fait que l'enseignante ne le fasse pas, parce qu'ils le font assez spontanément dans les autres dialogues. Je voudrais ajouter aussi, puisque je vous parlais de l'émotion tout à l'heure, c'est que ce qui est vraiment étonnant dans le dialogue sur l'écologie, c'est qu'à la fois partout et nulle part l'émotion. Elle est partout parce que ça parle d'urgence tout au long du dialogue. J'ai relevé 25 occurrences. Ça parle du caractère inévitable et incontestable du changement climatique. L'insouciance ou le doute ne sont pas entendables. Hein, ça provoque une réaction très, très vive. Il y a énormément d'occurrences de controverses. Des séquences émotionnelles, j'en ai compté sept fortes et séquences émotionnelles, dont deux intenses sur les savoirs, où les savoirs viennent finalement contrebalancer ce qui s'est passé à propos justement de soit de l'insouciance, soit de la critique. Ensuite, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rires à propos dans le dialogue écologique. Mais ça, on peut expliquer parce que ce sont des régulations réactives. Hein, et il y en a 50 occurrences des rires dans cette activité dialogue écologique, alors qu'on en compte 33 ou 31 dans les deux autres. Donc les émotions, elles sont très présentes, mais elles ne sont jamais nommées. Et donc, ce qui pourrait être intéressant pour des perspectives pédagogiques, ce serait pourquoi pas de les partager, ces émotions, pour les reconnaître, aussi pour faire un travail de méta sur les émotions, et pourquoi pas aussi de les mettre à distance pour refroidir un peu le dialogue. Et pourquoi pas aussi philosopher sur les émotions. Juste une dernière minute, alors pour dire que finalement, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y avait une singularité épistémique du dialogue philo sur l'écologie. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des choses qu'on ne retrouve pas du tout en fait dans ce dialogue, alors qu'on les retrouve dans les autres. Donc, ça nous amène à dire que ce n'est pas un problème de capacité cognitive, le fait de ne pas avoir ces interventions épistémiques et épistémologiques, mais bien une variation à propos du contexte. Et pour terminer, eh bien, aussi vous faire un point sur le fait qu'on ne retrouve pas non plus du tout de relativisme, contrairement aux autres, alors que voilà, c'est souvent très très présent dans les dialogues philo, le relativisme. On en trouve 48, par exemple, occurrences, et 35 pour le dialogue sur la vérité, alors qu'on n'en trouve que une avec ça dépend, et trois autres où le relativisme est davantage de fait, et il est ensuite dépassé. Donc voilà, je m'arrêterai ici. On en parlera pour la discussion si vous voulez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Charlie, donc si tu peux rester avec nous, la discussion va avoir lieu après les présentations de Virginie et Christophe.
Donc, on va continuer avec la prochaine présentation de Mélanie Champoux, qui a pour titre L'approche culturelle de l'enseignement, un levier potentiel pour une éducation relative à l'environnement. De 20 minutes. Oui, ben en fait, comme Adolfo a dit, on a demandé une permission, une dérogation pour quelque chose un peu spécial à deux. Donc, on prend 40 minutes à deux. Alors, tout d'abord, je voudrais juste remercier les personnes organisatrices du colloque, puis mentionner en fait l'accueil vraiment exceptionnel, puis la qualité des présentations. Ça valait la peine de le dire. Puis merci d'avoir accepté notre proposition. Alors, à l'image de cette belle œuvre de Maude Pelletier, c'est une artiste charlevoixoise. Christophe et moi, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un état des lieux de l'enchevêtrement de nos réflexions. Donc, c'est vraiment une réflexion à l'état de l'enfance encore. Donc, on serait heureux de pouvoir en discuter davantage pour avoir vos lumières. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est. Donc, je vous laisse regarder cette image et puis je vous reviendrai plus tard dans la présentation sur ce que ça représente. Donc, la conférence sera en deux parties. Donc, tout d'abord, on va présenter une réflexion théorique d'ailleurs, vous pourrez en apprendre davantage dans un article qui devrait paraître s'il est accepté. Et ensuite de ça, c'est un petit résumé d'une recherche-développement collaboratif qu'on a mené avec bien d'autres personnes, dont Cara qui est ici présente aujourd'hui, Cara Edwards. Alors, on va pouvoir vous présenter peut-être plus en détail le chapitre que Christophe a écrit. Donc, le titre de la première partie, ce serait « Rencontrer l'autre qu'humain par le biais des pratiques du dialogue philosophique, potentiel et limites en vue d'une éducation écologique ». Et ensuite, pour la recherche, c'est « Choisir un album jeunesse pour aborder les rapports écologiques au monde avec les élèves ». Donc, on y va avec la première partie. Mais avant toute chose, je trouvais important, étant donné qu'on mobilise plusieurs termes moins usuels, de camper ça tout de suite en partant pour améliorer la fluidité du reste de la présentation et en même temps être très transparent par rapport à notre posture. Donc, quand je parle d'éducation écologique, en fait, je le situe dans le champ, le domaine multiforme, certes, là, mais dans la tradition de l'éducation relative à l'environnement. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez eu l'occasion d'entendre Lucie Sauvé. Donc, là, ce que je vais dire va être un peu raisonné, mais j'ai bien appris ma leçon. Lucie, c'est quelqu'un d'important pour moi. Donc, je trouve important de reconnaître qu'on se situe dans cette grande tradition et je présente ici le modèle canonique de l'éducation relative à l'environnement selon Lucie Sauvé. Donc, il montre bien que l'éducation relative à l'environnement, en fait, c'est une éducation globale qui enrichit en fait la sphère du développement personnel et du développement social, de cette sphère du développement en lien avec l'environnement. Quand je parle, bon, c'est correct, tu peux le laisser. Quand je parle d'éducation écologique, en fait, je souhaite attirer l'attention sur ces relations, en fait, plus que sur les entités elles-mêmes, donc sur la qualité des relations. Donc, l'éducation relative à l'environnement, elle a pour viser l'harmonisation du réseau de relations personnes-société-environnement. Et moi, j'aime à parler d'une éducation globale pour des rapports au monde mieux ajustés. Donc, dans ajuster, il y a le mot juste. Et donc, un des défis importants qui se pose à l'heure actuelle pour l'éducation contemporaine, selon moi, et là, parce que je veux juste clarifier une chose importante, parce qu'on entend beaucoup, j'entends beaucoup à travers les différents colloques cette semaine, de l'importance de nous reconnecter ou de connecter les personnes à la nature ou à l'environnement. Mais sur le plan ontologique, on prend la posture que c'est impossible d'être déconnecté. En fait, on est tous ontologiquement, un donné anthropologique connecté, en relation avec les autres, avec l'autre, avec un grand A, donc avec toutes les entités de la Terre. Donc, si nous sommes irrémédiablement connectés pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes des êtres relationnels, nous ne pourrions exister sans relation. Donc, la relation, c'est une condition d'existence de l'être. Selon moi, le défi dans notre monde moderne, c'est de prendre conscience de manière à la fois cognitive, mais affective et par nos sens, de manière sensible, de nos rapports au monde, afin de pouvoir choisir librement et avec toute l'exigence éthique que cela pose, de mieux les réorienter, les ajuster en vue d'établir des rapports au monde plus justes et plus harmonieux. Donc, prendre conscience, on pourrait s'étirer longtemps, mais je vais juste dire que je le prends principalement dans le sens de la conscience critique sociale, selon Paulo Freire.
Ce qui peut-être, là, on a eu une présentation de Jacinthe Lavoie-Tremblay qui m'a bien intéressée. Donc, je me demande si justement ça ne devrait pas nous amener à devoir recourir au concept de l'empathie, parce que j'ai bien aimé la définition de Eklund et Meranius. Il nous disait qu'une personne empathique comprend, ressent, sait reconnaître à la fois ses continuités, donc ce qu'elle a en partage, et ses discontinuités avec l'autre, donc ce qu'il a distinct. Donc, à quoi on est connecté, selon quel mode, selon quel rapport? Je vais vous parler aussi, bien, on va vous parler dans cette présentation de l'autre qu'humain. Donc, l'autre qu'humain, ce qu'on envisage par ce qu'on veut dire par là, c'est à la fois des entités concrètes, hein, comme des animaux, des végétaux, des minéraux, mais aussi des conceptions plus abstraites ou phénoménologiques en lien, par exemple, avec les paysages, les territoires, des phénomènes reliés aux éléments, air, terre, eau, au cycle des saisons, etc. On va vous parler aussi de pédagogie de la rencontre. Donc, ce qu'on entend par une pédagogie de la rencontre, qu'on voudrait en fait post-anthropocentrique, donc de rencontrer l'autre, l'autre qui est un sujet avec qui on peut apprendre, avec qui on peut connaître, donc naître ensemble. Une pédagogie de la rencontre où les humains et les autres humains peuvent se rencontrer, se reconnaître, s'enrichir de leurs différences et construire un monde commun. Oui, Juste une précision, un ajout plutôt. Dans ce qu'on entend autre qu'humain, c'est pour distinguer dans la grande famille des vivants, des êtres vivants, il y aura les humains et les autres qu'humains, plutôt que les non-humains, choses comme ça. Et c'est vraiment pas un simple délire philosophique. On commence à accorder le statut de personne de droit moral à certaines rivières, certains lacs, certains fleuves. Donc le droit est aussi en train d'évoluer de face au niveau international. En Australie, en Italie, je crois que même au Québec, il y a une rivière qui a atteint, qui a, en laquelle on a donné le statut de personne morale. Donc des personnes représentent cet autre qu'humain pour venir dans des décisions politiques. On va commencer par très succinctement des grandes lignes de problématiques et quelques repères théoriques avant de pouvoir amorcer cette réflexion sur la contribution possible philosophique à cette éducation que l'on envisage anthropocentrique. Donc, dans mes travaux, je propose une analyse radicale de la crise socio-écologique, c'est-à-dire une analyse qui cherche à déterrer les racines. Les outils que j'utilise pour ce faire sont issus d'une certaine tradition de pensée écoféministe, aidée par des philosophes écoféministes comme Val Plumwood, Karen Warren et Carolyn Merchant. Je soutiens que la crise socio-écologique, dont les manifestations multiples et interreliées, là, ce qu'on peut voir comme les changements climatiques, le déclin massif de la biodiversité, qui par ailleurs n'est pas sans être lié au déclin aussi de la diversité culturelle, les problèmes de pollution environnementale qu'on n'a pas encore réussi à régler, quoi qu'on ait pu en penser il y a un certain moment, mais aussi l'accroissement des inégalités sociales et environnementales qui sont interreliées. Donc, toutes ces manifestations, ces réalités socio-écologiques seraient sous-tendues par une crise de nos rapports au monde. Donc, des rapports au monde qui seraient basés sur des dynamiques mortifères d'invisibilisation, d'exploitation, d'appropriation, de domination entre humains et aussi entre humains et autres humains. Donc, ces rapports au monde que l'on pourrait dire dévoyés sont eux-mêmes soutenus et rendus possibles par une vision du monde qui divise, qui hiérarchise, une vision du monde dualiste, héritée, de notre modernité occidentale, donc qui oppose une rupture radicale entre nature et culture, entre sujet et objet, entre raison et émotion, entre corps et esprit, entre âme et matière, entre ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, et entre humains et autres humains. Donc, ces multiples ruptures, à commencer peut-être par celle qui est historiquement construite entre l'humain et les autres humains, sont notamment maintenues et renforcées par diverses infrastructures socio-techniques, culturelles, symboliques, que nous avons érigées à la faveur de la modernité occidentale. Ces écrans, multiples qui dressent des barrières, qui sont plus ou moins poreuses ou plus ou moins étanches, entre ce qui relève de la culture et ce qui relève de la nature. Donc, au fil des siècles, à la faveur du développement de nos sociétés modernes, nous en serions venus, selon un nombre de plus en plus grands auteurs, à perdre une bonne part de nos capacités à percevoir de manière sensible ce qui fait de nous des êtres vivants évoluant parmi les vivants.
Donc, toujours selon, c'est ça, un nombre de plus en plus grand de philosophes, de sociologues, d'anthropologues, de psychologues, mais aussi de biologistes, d'éthologistes, une tendance lourde semble se dessiner chez les modernes. Donc, nous vivons sous un régime d'anesthésie. Donc, notre insensibilité serait devenue telle que notre aptitude à réagir et à agir face à des manifestations de plus en plus brutales de la crise socio-écologique semble se rétrécir de plus en plus. Donc, il nous est de plus en plus difficile de percevoir, tant sur le plan cognitif qu'affectif que sensoriel, que nous faisons partie de la grande toile du vivant. De plus en plus difficile de prendre conscience avec nos esprits, avec nos corps, que nos destins sont liés au reste des vivants et des autres et des non-vivants aussi. Donc, la crise écologique, c'est en ce sens une crise de notre sensibilité au vivant ou à ce qui fait vie. Donc, pour la philosophe de l'environnement écoféministe Val Plomoul, afin de relever le défi posé par les enjeux socio-écologiques, nous devons déconstruire l'illusion de notre désinscription, l'illusion de l'exceptionnalisme humain, de ce qui nous a amenés à croire que nous sommes des êtres indépendants, émancipés de notre condition animale, que nous ne faisons donc plus partie de la nature, que nous sommes des êtres historiques et culturels, mais qui en même temps, en fait, relègue les autres qu'humains à ce qu'on en est venu à appeler la sphère de la nature, quelque chose qui est placé hors histoire, dans un décor immuable où se déroulent les actions, des êtres humains et de leur société. Or, on sait depuis au moins Darwin en Occident, puis bien avant avec toutes les sagesses ancestrales, que cette idée est illusoire, que l'histoire de l'évolution, c'est en fait une histoire de coévolution interspécifique. Donc, la crise écologique, comprise comme crise culturelle, comme crise de nos rapports au monde, comme crise de notre sensibilité au vivant, à ce qui nous lie et à ce qui nous relie. Comprise de cette manière, la crise écologique pose un défi qu'on pourrait dire ontologique au système d'éducation dominant, soit celui de prendre conscience de nos rapports au monde pour transformer nos visions du monde, nos manières de nous définir individuellement et collectivement, et donc nos manières de transformer nos manières d'entrer en relation avec le monde. Hein, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on pense influence ce que nous faisons, comment nous agissons. Notre identité influence notre agir. Nous nous demandons ainsi quelles sont les forces et les limites des pratiques de dialogue philosophique à une éducation écologique, soit, je le rappelle, une éducation qui contribue à la formation de personnes consciemment reliées au monde, un monde peuplé d'humains et d'autres qu'humains. Et lorsqu'on dit pratique du dialogue philosophique ou philosophie pour enfants, on veut vraiment faire donner droit à toute la diversité des pratiques qui existent dans le monde. Il y a vraiment une variété de pratiques, de méthodes, d'outils. Et donc là, on l'utilise de façon un peu générale, mais à vous de vous faire chacun votre idée par rapport aux pratiques que vous connaissez. Et donc là, on s'intéresse vraiment à est-ce que philosophie pour enfants et rapport au monde, on veut mettre un point d'interrogation à la fin en disant bah, est-ce que la philosophie pour enfants peut aider à changer nos rapports au monde, comme tu l'as bien dit. Donc, selon nous, lorsqu'on regarde toute la littérature que tu as mentionnée, Mélanie, on se demande en fait comment faire en sorte pour faire que les humains et les autres humains puissent se rencontrer, s'enrichir de leurs différences et composer un monde commun. Lorsqu'on voit toute la littérature, donc Bruno Latour, Isabelle Stenger, Després, Descola, Morisot, Starhawk, ceux que je connais, en tout cas, il nous a semblé qu'on pouvait réunir quatre sortes de grands principes, de grandes idées clés, entre guillemets, dans cette littérature, qu'on peut voir si on peut le mettre en pratique avec le dialogue philosophique. Donc, pour chacun de ces quatre principes, on va voir un peu quels sont à chaque fois le potentiel et les limites de la philosophie pour enfants. Le premier, c'est tout simple, c'est l'idée de dire que lorsque on est face à une catastrophe ou un chaos climatique, ce qui est remarquable, c'est que tout le monde est touché. Tout le monde est touché indistinctement, a priori. Après, de différentes façons, dans un temps court, un temps long, mais on va dire que ça touche tout le monde. Donc, on est placé devant une situation de vulnérabilité ontologique partagée. Et à partir de ce point, on peut se demander bah, comment faire pour appréhender cette vulnérabilité commune en classe, en dehors des expériences douloureuses de catastrophes climatiques, inondations ou autres. Et donc, ici, on peut dire que la philosophie pour enfants est intéressante parce qu'elle peut aborder ce thème-là, les thèmes écologiques lors des discussions, d'accord? Cependant, en termes de limites, moi je vois que les autres qu'humains, les animaux, les végétaux, je ne les ai jamais vus représentés lors des discussions. J'ai toujours vu seulement des enfants souvent assis en cercle, discutant entre eux,
Et j'ai jamais vu une discussion où on a dit, bah, toi, tu vas prendre le point de vue de la rivière, toi, tu vas prendre le point de vue de la forêt, etc., pour parler en diplomate à sa place, mais en prenant en compte ses intérêts. Donc, ça, c'est une limite. C'est que pour l'instant, la philosophie pour enfants, dans le cadre théorique que l'on connaît le plus, ne considère pas les autres qu'humains. Ça, c'est déjà une première limite importante. Par contre, un atout de la philosophie pour enfants comme pratique pédagogique, c'est que souvent, on insiste sur l'idée d'apprendre à écouter, d'apprendre à écouter l'autre. Et donc, si on est capable, avec la philosophie, de développer cette habileté d'écouter les autres humains, peut-être qu'un pas peut se faire ensuite en disant, bah, est-ce qu'on va être capable d'écouter les autres qu'humains? Donc, pas seulement les humains, mais aussi les animaux, les végétaux, les paysages, les territoires, etc. Ah, voilà. Un atout faible, mais un atout qui vaut quand même le coup d'être mentionné. Deuxième principe, celui d'une perception sensible. Là, c'est l'idée toute simple aussi de dire qu'en tant qu'être vivant, on connaît d'abord notre corps, notre monde par notre sensibilité. C'est la chaleur sur notre visage qui nous indique la présence du soleil. C'est l'odeur d'un arbre en fleurs ou encore le bruit du vent indiquant la pluie à venir qui nous renseigne sur notre environnement. C'est d'abord ces premiers éléments sensibles que partagent tous les vivants qui font en sorte que nous le connaissons. Et donc là, on a un point de vue commun, au sens où tous les êtres vivants sont sensibles et donc se perçoivent réciproquement. Alors, est-ce que la philosophie pour enfants peut être utile pour développer ou rendre prégnant ce principe? Alors là, on peut voir que lorsque l'on se réfère aux fondateurs Ekman et Sharp, effectivement, il y a une valorisation de l'expérience, il y a une valorisation presque phénoménologique de l'expérience qui peut nous dire que la philosophie pour enfants peut être un atout. Mais en même temps, ce que j'ai l'impression, c'est que ce retour à l'expérience est souvent pas négligé, mais rapidement abordé, et parfois ne fait pas toujours, n'a pas toujours sa place dans les discussions philosophiques. Et là aussi, on lutte contre un héritage philosophique vraiment ancien où c'est l'idée que traditionnellement, dans notre culture, les activités de plus haute spéculation se font toujours dans les environnements les plus protégés, les plus à l'abri des environnements. Donc les salles d'université climatisées, etc. Et rarement dans des environnements troublés. Donc là, il y a une limite à mon sens. Par contre, un atout que je vois, c'est que tous les outils de la présence attentive, de la méditation laïque ou du développement de la pleine conscience, ce sont des outils pédagogiques qu'on associe parfois à la philosophie pour enfants. Le travail de Seb au Québec est dans ce sens, par exemple. Donc, on continue à valoriser, à porter cette expérience, cet intérêt phénoménologique au monde. Donc là, ce serait un atout, à mon sens, aussi pour la philosophie pour enfants. Ça va? Vous me suivez? Ouais. Alors, troisième principe, c'est l'idée que pour faire advenir une réflexion commune sur l'environnement, il faut essayer de clarifier un problème local, un problème relatif à l'environnement, en constituant un public, donc un groupe, qui sont concernés par ce problème. Et ce public, lorsque l'on parle des problèmes relatifs à l'environnement, ça devient la communauté des vivants habitant un lieu et qui doivent faire face à tel problème de sécheresse, à tel problème de feu d'incendie, etc. Donc, rendre sensible cette idée d'une communauté des vivants qui ne se limite pas seulement aux humains, mais aussi aux autres humains, ça demande de développer un sentiment d'appartenance à un territoire, à des habitants, à créer un commun, dans le sens de Christian Laval et Pierre Dardot. Et donc là-dessus, on peut se demander, bah, est-ce que la philosophie pour enfants peut aider à développer ce principe ou cette idée? Alors là, une limite qui revient, c'est toujours la faible présence des autres qu'humains dans ces pratiques. Ça, je vais donner au premier principe. Par contre, un atout, c'est qu'il me semble que la philosophie pour enfants est une pratique pédagogique qui, grâce à la méthode de l'enquête, grâce à l'idée d'une communauté de recherche philosophique, donne déjà les premiers outils pour faire en sorte que, déjà nous, entre humains, on peut arriver à créer une communauté de recherche. Donc là, à mon avis, il y a un pas à franchir pour passer de la communauté de recherche philosophique à la communauté des vivants, mais ça peut être une première étape, mais une première étape seulement. Dernier principe. On voulait aussi peut-être mentionner la pédagogie en plein air, notamment avec les travaux de Nathalie Fletcher qui est venue nous présenter lundi, avec toute cette idée d'immersion, donc aussi des hybridations terrestres. Tout à fait, tout à fait. Quatrième principe.
la complexité de la participation au vivant. Là, on affronte vraiment le problème assez simple aussi à comprendre, c'est l'idée que notre culture est extractiviste. C'est-à-dire qu'elle nous contraint face à un choix binaire, donc face à un environnement naturel, soit on veut le protéger, soit on veut le consommer. On est coincé là-dedans, en fait. On a seulement deux rapports au monde. Extraire ou s'extraire. Exactement. Il faut qu'on garde cette formule. Et pourquoi on a cette idée? C'est parce que dans notre culture, dans notre épistémologie, seul l'humain est un sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui pense, agit ou qui a une volonté. Tous les autres vivants, tous les autres humains, eux, sont privés de cette capacité d'agir, de penser, de vouloir. Et donc là, ça demande une forme de flexibilité épistémique dont parlait Charlie, justement, pour sortir de ce rapport binaire au monde et pour essayer de voir, dire, ben non, en fait, il y a d'autres façons de participer dans le monde et c'est possible de partager notre agentivité, notre capacité d'agir entre humains et avec les autres humains. Donc dire, ben tiens, en fait, oui, le lapin, l'oiseau, qu'est-ce qu'il veut, hein? Si on pouvait traduire ces paroles, qu'est-ce qu'il voudrait? Donc là, la limite que je vois par rapport à la philosophie pour enfants, c'est que aborder toute cette complexité épistémologique, ben, c'est très coûteux en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'engagement politique pour les enseignants, lorsqu'on est limité à des séances de 1 heure ou 45 minutes en classe et qu'on a 12 classes, par exemple, au secondaire, ça demande beaucoup d'efforts. Par contre, un atout que je vois, c'est que déjà la philosophie pour enfants prône un multiperspectivisme, donc au-delà du relativisme où tout se vaut, rien ne se vaut. Là, c'est vraiment l'idée on peut avoir plusieurs perceptions, on peut avoir plusieurs perspectives sur le même problème. Donc là, à mon avis, il y aurait aussi un premier pas encourageant pour pouvoir dire, d'accord, bah, voyons ce problème de la création de tel parc, la création de tel oléoduc, etc. Comment on peut le voir de plusieurs façons? Donc voici ce qui fait le tour avec nos quatre principes qu'on a pu extraire de la littérature en humanité environnementale. Donc tout ça pour dire qu'il nous semble que les pratiques du dialogue philosophique semblent avoir quelques atouts intéressants pour aborder ces perspectives-là, mais aussi des limites, ce qui est tout à fait conscient, normal quelque part, parce que les pratiques du dialogue philosophique, même si elles sont développées, elles sont nées dans le siècle dernier, qui était déjà dans une culture, dans un cadre qui était très peu averti, en tout cas en Occident, de la perspective qu'on veut développer maintenant. Donc, est-ce que cette famille de pratiques pédagogiques est le meilleur véhicule, entre guillemets, pour l'éducation écologique? Je reprends ta métaphore du carrosse. Bah, c'est plutôt de dire, bah, ces pratiques pédagogiques, est-ce que c'est la meilleure façon d'emmener nos élèves pour aborder ces questions? À mon avis, ce n'est pas le seul, c'est sûr. Est-ce que c'est le meilleur? C'est un des plus intéressants, c'est sûr. Mais il y a encore vraiment de nombreux chantiers à découvrir et à ouvrir. Voici pour cette première partie. Est-ce que ça va? C'est la partie la plus théorique. Après, on rentre plus dans le concret. Ouais, Vous êtes avec nous? 10 minutes en Bravo. On a le droit à 40 en tout, non? Ça fait Ça 22 minutes. Bon, le truc. On commence à 20 minutes. Il fait qu'il reste plus que On avait 22 minutes sur notre chronomètre. Je vais commencer. Alors, pour cette deuxième partie, on va vous mettre en contexte d'abord pour vous raconter notre petite histoire de rencontre dialogique. Donc, on est plusieurs personnes dans le beau projet qu'on a mené au cours de l'année dernière. On a fini par se constituer en collectif. Alors, nous sommes le collectif Écolier, dont Cara Edward fait partie ici. Alors, c'est un collectif interdisciplinaire de personnes formatrices en enseignement. Ils se sont réunis, dans le fond, parce qu'on partage une sensibilité écologique commune, un désir partagé là, de contribuer à une éducation plus pertinente face aux enjeux socio-écologiques contemporains. En fait, l'idée, c'était, bon, je vous l'ai dit un peu tantôt, moi, je développe un modèle plutôt théorique dans le cadre de ma thèse et j'avais besoin et envie de co-construire avec des personnes qui sont spécialisées dans les divers domaines d'apprentissage, des personnes didacticiennes qui enseignent les divers domaines d'apprentissage du PFEQ, du programme de formation de l'École québécoise, pour voir comment les idées théoriques que je développe peuvent se concrétiser, comment elles peuvent atterrir, donc concrètement, donc imaginer des pistes pédagogiques concrètes dans l'enseignement. Donc, on a peut-être, on peut faire passer une version imprimée là, de cette première phase qu'on a réussi à publier le mois dernier, mais c'est un ouvrage qui est en ligne.
Je peux passer. C'est une ressource éducative libre, donc c'est libre de droit. Les gens peuvent le transformer pour l'adapter à leur contexte d'enseignement. Et c'est une ressource donc qui vise à former les personnes enseignantes, tant en formation initiale que continue, tant en primaire qu'en secondaire, sur la mise en œuvre d'une approche culturelle de l'enseignement qui est enrichie de la dimension de nos rapports écologiques au monde. Alors, c'est une ressource qui veut soutenir leur autonomie professionnelle. Ce n'est pas une ressource clé en main. Ça vise, dans le fond, à proposer des repères théoriques, mais aussi des pistes pédagogiques plus concrètes pour les aider à faire leur premier pas. Donc, voilà ce que je peux dire pour tout de suite, mais je voudrais d'abord clarifier pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement qu'est-ce que c'est que l'approche culturelle de l'enseignement dans notre programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est un pilier fondateur dont on a hérité au tournant du siècle dernier avec la réforme de l'éducation. Elle se concrétise normalement, notamment à travers la première compétence de référentiel des compétences professionnelles à l'enseignement, qui est celle qui est la compétence culturelle, qui est libellée là, dans sa forme la plus courte comme pédagogue, héritier, critique, interprète et médiateur d'éléments de culture. Il est dit dans les prescriptions qu'elle doit être intégrée de manière transversale à tout le curriculum. Sur le plan notionnel, là, la culture dans le discours officiel, elle est comprise selon double conception, comme objet de savoir, notamment il y a la notion de repère culturel là, qui est publicisée, et comme rapport au monde. Je soulève dans mon travail de doctorat plusieurs difficultés, donc plusieurs autres auteurs là, que moi ont mis en exergue depuis plusieurs années, que même si ça fait 25 ans la réforme, l'approche culturelle demeure toujours très mal comprise. Ça demeure nébuleux pour les personnes enseignantes. Donc, c'est quelque chose qu'on écrit dans nos plans d'activité pédagogique, dans nos plans de cours, mais bon, comment est-ce que ça se concrétise réellement, c'est beaucoup moins certain. Puis d'ailleurs, elle ne fait pas l'objet non plus d'une formation suffisante. Par ailleurs, la culture comme rapport au monde, elle est sous-théorisée, donc c'est difficile justement de voir comment est-ce que ça peut porter concrètement dans les processus d'enseignement-apprentissage. Et point important, la culture est abordée de manière anthropocentrée, c'est-à-dire que on voit bien dans le discours officiel la reconduction de la dichotomie nature-culture dans les définitions de la culture et dans la façon dont on propose de l'incarner dans l'enseignement. Par exemple, les repères culturels à mobiliser, là, qui sont vraiment comme des repères culturels qui sont des objets d'apprentissage qui sont proposés dans chacun des documents, là, des divers documents du programme de formation, se limitent à la sphère du social entre eux. Donc, vous l'avez compris, dans le contexte de la crise écologique actuelle, d'une crise de nos rapports au monde, d'une crise culturelle, je prétends que l'approche culturelle de l'enseignement pourrait être enrichie en y intégrant la sphère des rapports écologiques au monde. Donc, j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse en co-construction, comme je l'ai dit, avec les personnes du collectif, à développer des repères là, comme point de départ. Donc, c'est quelque chose qui est en construction. Simplement, vite dit comme ça, là, en point de forme, ben, on a parlé d'une pédagogie de la rencontre, je dis, une esthétique de l'attention, hein, donc, dans l'idée de cultiver un mode d'être attentif au monde. Une éthique du care, du prendre soin, qu'on peut traduire par cultiver un art des égards pour des rapports mieux ajustés. De développer aussi des habiletés de co-création, hein, pour pas seulement être en posture d'appréciation des œuvres de culture, mais aussi pour être capable de prendre part à la culture, dans une culture vivante, là, culture qui est en cours d'élaboration et qui peut être transformée. Sur le plan des stratégies pédagogiques plus précises, si on pourrait dire, l'idée, c'est que ces stratégies pédagogiques-là qu'on valoriserait seraient capables de faire vivre intimement deux grandes approches qui, souvent, à mon avis, vivent de manière distincte, une approche plus politique puis une approche plus esthétique. Donc, pour ce faire, j'imagine des pistes pédagogiques là, qui sont pardon, des pratiques pédagogiques qui sont à la fois transdisciplinaires, qui vont puiser dans le registre existentiel, par exemple à travers les approches biographiques, éco-biographiques, dialogiques plutôt que monologiques, réflexives, autocritiques, expérientielles à travers, par exemple, l'immersion dans un milieu, artistique, donc je l'ai dit, appréciation et création, des stratégies affectives qui cultivent à la fois le sens de l'émerveillement. On a eu un bel exemple là, lundi avec Maxime Fecteau, là, le High, le Wonder, le sens de la justice,
à commencer par la capacité de s'indigner face aux injustices. Emmanuel en a parlé. Là. Donc, cette ressource, c'est ça, elle est en ligne, elle se présente pour l'instant par module et par chapitre. Donc, pour cette première phase, là, on a 7 modules avec chacun un chapitre, sauf le dernier module sur les arts qui contient déjà 2 chapitres, mais c'est une ressource que l'on veut évolutive, c'est en ligne, donc on appelle les gens, là, il y a une adresse générique là, pour le projet, on appelle les gens à venir à proposer des contributions, tant des gens du milieu universitaire qu'éventuellement, on aimerait aussi des personnes enseignantes. Donc, quand cette approche pourra être mieux connue puis elle va commencer à vivre dans les milieux d'enseignement, bien, on aimerait que des personnes enseignantes puissent témoigner de comment se l'ont approprié, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et qui fait ça. Donc, ça fait une ressource à la fois là, avec des articles plus professionnels. Donc, c'est ça. Donc, on a le français comme rapport écologique au monde. Vous voyez, c'est l'idée de la métaphore, l'univers social comme rapport écologique au monde, les sciences, les mathématiques, la citoyenneté, les arts. Donc, je reviens. Oui. Pour les champignons. Oui, l'artiste qui a fait les champignons, c'est Guylaine Duval, c'est une artiste mycologue des Laurentides. Et non seulement c'est très joli, mais c'est aussi, ça a aussi un sens pour nous. C'est-à-dire qu'on vous l'aurez noté sûrement, là, peut-être que vous pensez qu'il y a une contradiction parce qu'on dit qu'une approche culturelle, c'est transdisciplinaire, c'est interdisciplinaire, mais on veut une entrée par discipline. Donc, en fait, c'est qu'on veut être le plus dans la zone proximale de développement des enseignants en se disant, bien, c'est peut-être une trop grosse marche de tout de suite proposer une ressource complètement transdisciplinaire. Donc, en proposant comme ça de faire leur premier pas en disant, OK, je vais peut-être commencer à mettre en œuvre une approche culturelle écologique, mais en français seulement. Et en fait, on leur joue un petit tour parce que cette proposition-là, elle est aussi interdisciplinaire et même transdisciplinaire. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent développer petit à petit leur sentiment d'aisance et de compétence. Et donc, les champignons, bien, c'est une métaphore parce qu'en fait, vous le savez sûrement que le champignon, c'est seulement le fruit de l'organisme qui est sous le sol sous forme de mycélium et qui joue un rôle très important dans nos écosystèmes forestiers, de mettre en relation, de proposer une communication. Donc, sans le mycélium, les champignons n'existeraient pas. Les disciplines, si elles n'étaient pas interconnectées, elles perdent leur sens aussi. Donc, où est-ce qu'on en est rendu ici? On serait déjà rendu à toi. Alors, dans tout cet ouvrage, il y a plusieurs chapitres, mais on vous propose de vous concentrer sur un seul chapitre, celui que j'ai écrit avec Mélanie. Qui concerne l'activité de CCQ. Et puis, à l'intérieur, je me suis demandé bah, comment utiliser la littérature jeunesse, par exemple, dans le cadre d'une activité de philosophie pour enfants, où on partirait d'un album jeunesse comme déclencheur de la discussion. Et parce que dans les classes de nos enseignants, il y a souvent plein de livres, déjà, il y a plein de livres, plein d'albums jeunesse. Et pour parler d'écologie, d'environnement, de nature, ils ne savent pas toujours par lequel commencer. Donc là, l'idée, ce n'est pas de dire bah, « gardez cela, brûlez les autres », d'accord. C'est plutôt leur dire bah, « si vous voulez y aller simplement, si vous voulez y aller simplement pour faire une activité de philosophie pour enfants sur l'écologie, voici un peu des critères qui vont vous permettre de vous repérer ou de préférer tel album par rapport à tel autre. » Donc, il y a d'abord 5 premiers critères qui sont un peu des critères assez classiques de la philosophie pour enfants. Que j'ai tiré de ma propre expérience, mais beaucoup, beaucoup des conseils de Nadia Baudry ici qui m'a aidé à les conceptualiser. Donc, j'y vais très simplement. Premier critère 1, le plaisir et l'intérêt. Critère 2, mettre en scène une enquête où les personnages réfléchissent. Critère 3, une histoire cohérente et réaliste que l'on puisse saisir. Critère 4, une recherche, pas une morale. Et enfin, critère 5, l'occasion d'un apprentissage. Je vais très vite là-dessus parce que je pense que ce sont des critères qui sont relativement connus en philosophie pour enfants. Et je vais plutôt m'intéresser aux 5 autres critères, le critère 6, 7, 8, 9 et 10. Le critère 6, c'est de dire qu'on va essayer de choisir des histoires qui partent des environnements le plus réels possible. On n'a rien contre la fiction, mais souvent, on a tendance à dénigrer notre propre environnement qui est extraordinairement riche, complexe, intéressant. Donc, l'idée, c'est peut-être de prioriser des histoires avec des environnements qui soient le plus réaliste, en tout cas possible, pour susciter de la réflexion de la part des enfants et puis faire des liens, par exemple, en sciences ou en géographie. Le critère 7, ce serait un monde en évolution. Donc, l'idée, c'est de privilégier une histoire où l'environnement n'est pas juste un décor qui est en fond de l'histoire et qui est un décor inerte où rien ne se passe, mais au contraire, leur faire montrer qu'un environnement peut être en évolution, peut changer, peut se transformer.
Donc là, si on ne trouve pas d'album où on voit cet environnement d'évolution, on peut prendre plusieurs albums qui montrent différentes représentations de même environnement. Par exemple, plusieurs albums jeunesse qui se passeraient en Espagne, par exemple, où on voit différentes représentations de l'Espagne pour faire émerger des questions avec les enfants sur ça. Le critère 8, des vivants en action. Oui, c'est la bonne. Donc là, c'est essayer de choisir des albums jeunesse où il n'y a pas que les humains qui agissent, pensent ou qui ont une volonté, par rapport au principe que j'avais nommé tantôt. Donc l'idée est plutôt de dire que l'agentivité, donc la capacité d'agir, elle est répartie. Tiens, les animaux ont une action, l'environnement a une action, la rivière a une action possible, pour arriver déjà à inculquer l'idée aux enfants que l'agentivité est partagée et n'est pas le privilège sacré de l'humain. Critère 9, des interactions par des extractions. Donc là, dire que l'environnement n'est pas seulement à protéger ou à consommer. Donc là, il y a plein d'albums jeunesse qui viennent des Premières Nations qui sont super intéressants pour travailler ces questions. Et dire, voilà, au contraire, il peut y avoir plusieurs rapports au monde. Dixième et dernier critère, une expérience holistique du monde, sous-entendu dire que l'environnement n'est pas seulement un objet qui peut être l'objet justement de nos réflexions intellectuelles ou bien cognitives, mais qui peut être aussi un objet esthétique d'émerveillement, éthique de réflexion entre nous sur ce qu'on fait ou ne fait pas, ou spirituel. On vient de ne pas le cantonner l'environnement à seulement une seule perspective, mais au contraire les croiser de façon holistique. Et je conclue. On conclut? Oui. On conclut. On conclut par toi d'ailleurs. Ah, on conclut. Bon, ben, j'attends très vite, parce que je pense qu'on a un petit peu dépassé notre temps, mais je voudrais rappeler une notion de une belle parole de Lucie Sauvé, puis d'ailleurs, je pense qu'elle l'a mentionné hier, qu'une éducation qui fait l'impasse sur la sphère de nos rapports à l'environnement, c'est une éducation tronquée qui contribue à former des êtres inachevés. Donc, une telle éducation est source de souffrance et est donc nuisible pour l'être et pour le monde dans lequel l'être déploie ses puissances d'agir. Donc, je me demande ainsi s'il est possible d'imaginer une éducation plus écologique qui pourrait contribuer à guérir la mélancolie de l'être humain moderne qui souffre d'un mal sourd pour une bonne part non conscientisée de cette violence ontologique subie par notre arrachement à l'autre qu'humain. Et donc, à notre avis, si la philosophie pour enfants peut nous servir pour aborder cette éducation écologique, on a essayé de trouver un exemple avec la littérature jeunesse pour voir comment il était possible de sélectionner, choisir certains albums jeunesse pour nous emmener le plus facilement possible vers des discussions philo où on puisse aborder toutes ces perspectives. Et on vous remercie beaucoup pour votre Merci. attention. Pour la présentation. Donc, on aurait 15 minutes environ de période de discussion. Si en ligne, vous voulez prendre la main, il y a une petite forme en bas de l'écran, levez la main. Non, pas sûr. Je vais laisser un petit 3 secondes pour laisser le temps aux personnes de réfléchir à si elles ont des questions ou commentaires. Daniel, tu peux y aller? Merci. Merci beaucoup aux présentateurs et présentatrices. J'aurais une question sur les critères mentionnés pour choisir l'album jeunesse. Christophe, tu as parlé, je pense que je le retrouve à 2 reprises, il faut que l'histoire soit réaliste et aussi qu'elle soit réaliste. Émilie, est-ce que c'était à cause de ça ou. Oui. Et qu'elle soit réaliste scientifiquement aussi, ça revient, je pense, au 6e critère. Mais en même temps, c'est drôle parce que tu disais que ce serait bien en CRP de prendre le point de vue, par exemple, des animaux. Qu'est-ce que le lièvre, par exemple, voudrait? Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas se détourner peut-être un peu de ce critère du réalisme si on veut respecter peut-être l'autre critère de faire que l'environnement a une agentivité reconnue et peut-être qu'on soit un peu plus même dans l'imaginaire ou dans le contrefactuel? À quel point est-ce qu'on y tient à ce critère de réalisme? Ou peut-être que c'est simplement que je n'ai pas la même compréhension de réalisme ici, mais qu'est-ce que vous en pensez? Réponse en 2 voies. Réponse simple pour moi, c'est dire que ces critères, c'est vraiment pour y aller au plus simple. Vraiment, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vraiment au plus simple. Typiquement, pour le critère de la recherche pas de morale,
Donc, on peut très bien avoir un album jeunesse où on arrête la lecture avant les pages conclusives qui nous disent qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Ou au contraire, même lire tout l'album et dire, ben voilà, cette morale-là, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est juste, pas juste? Mais c'est plus compliqué, c'est plus difficile techniquement quand on débute en philosophie pour enfants. Mais... Donc, l'idée, ce critère réaliste, par exemple, c'est de dire que si vous voulez faire une discussion de philosophie pour enfants en parlant d'environnement, l'idée de partir d'un environnement réaliste, ça va vous permettre de faire facilement des liens ensuite avec d'autres disciplines, d'autres matières. Donc, je ne sais pas, on peut voir telle... On peut prendre l'album jeunesse, dire, ah, voyez, où est-ce que ça se passe? Hop, Google Maps, regardez, ça se passe ici, par exemple. Ah, regardez tel animal, regardez, hop, voici l'image de cet animal. Donc, ça peut servir. Après, on peut très bien imaginer quelque chose qui soit une histoire qui soit complètement dans l'imaginaire, sur une autre planète, d'autres êtres vivants que les nôtres, etc., voire même pas d'humains possibles. C'est juste que ça va être plus compliqué. L'imaginaire des enfants, ça se construit vraiment pas à pas, et surtout à la fin du préscolaire ou au premier cycle, il faut vraiment, je pense, accompagner ce passage entre l'imaginaire et le réalisme. Si je pourrais ajouter, c'est que moi, je comprends le critère de réalisme de Christophe comme un réalisme ontologique, donc des êtres avec lesquels on peut être concrètement en relation, pas un réalisme épistémologique anthropocentré. Donc, en fait, pour tout à fait, là, l'utopie, l'imaginaire, en fait, c'est toute la question de l'anthropomorphisme, là. Donc, nous, on considère qu'on peut faire travailler l'imaginaire en adoptant le point de vue des autres créatures, si on veut dire, si on prend le mot concept comme créature qu'Anathalie avait expliqué, mais c'est ça. Fait, l'idée, c'est juste que ça soit des êtres avec lesquels les enfants peuvent vraiment être en relation dans leur vraie vie. Et ce n'est pas obligé d'être des zombies ou des choses comme ça, parce qu'en fait, on veut travailler le sentiment de relation avec ceux avec leur monde. On n'a pas besoin de s'extraire et imaginer un autre monde. On a déjà un monde merveilleux autour de nous. Donc, on peut faire vivre l'émerveillement dans ce monde. Avant de partir à une discussion sur le film Avatar, par exemple, il y a des milliers de documentaires tout aussi fascinant, intéressant, qui parle de notre planète et qui la rend intéressante. En fait, il y a beaucoup... Super pouvoirs des animaux, des vrais super pouvoirs que les animaux et les plantes ont dans notre vraiment. Tout à fait. Merci pour la question, merci pour la réponse. Émilie, je vois que tu as baissé ta main, c'était parce que c'était la même question. Oui, c'était sensiblement la même chose, parce que pour moi, la question de l'imaginaire était fondamentale, puis j'avais comme l'impression que si on mettait la fiction de côté, on mettait de côté aussi l'intelligence des enfants de pouvoir imaginer d'autres possibles, mais vous avez bien répondu à la question. Merci. Merci, Émilie. Charlie, on va revenir à toi bientôt. Il y avait des personnes dans la salle. Adolfo, Mathieu, Sabrina, puis Charlie, on va revenir à toi. Adolfo? Oui, mais merci, Charlie, pour cette belle présentation, que sans doute j'ai besoin de relire et de m'approprier plus tout le nombre de plein d'éléments que je garde pour revisiter bientôt et de revenir probablement avec d'autres questions. Et j'ai apprécié énormément le début de ta présentation. Je pense que c'est ton début à partir d'une question que j'ai envie vraiment de discuter à un moment donné de ma vie. Et c'est un bon critère d'une bonne question. Tu le dis que c'est un nombre de critères qui nous donne des indices de pourquoi cette question a un grand potentiel de problématisation et de discussion. Donc, cette première partie de la discussion, je l'apprécie énormément. Peut-être que les personnes moins familières avec la philo pour enfants, ça donne des critères pour poser de bonnes questions. Non? Donc, merci beaucoup pour cette partie. J'aimerais t'entendre parler un peu plus à la fin de ta présentation. Tu as dit que dans ta recherche, les émotions sont très présentes, sont pas explicitement nommées. Peut-être que c'est mon interprétation, tu me diras si j'ai interprété bien. Et j'imagine que tu arrives à ce constat à travers l'analyse des entretiens et j'ai pas pu suivre dans ta présentation. Mais en fait, j'aimerais t'entendre parler un peu plus de quelle façon les émotions sont présentes dans les entretiens que tu analyses. Et un peu plus, t'entends parler sur des pistes pour développer plus cet aspect des émotions.
Et pour l'autre présentation, merci aussi à vous pour cette belle présentation. Et en lien avec la intervention de Samuel, et dernièrement, on parle, moi au moins, je parle surtout des livres que j'ai lus les derniers mois. Donc, quelques questions d'entrevue m'ont entendu parler de Martha Nussbaum, son dernier livre sur l'éthique animale. Martha Nussbaum a une formation comme en droit. En fait, ça l'intéresse beaucoup, la question des lois. Et par rapport au même élément que Samuel a mentionné, l'effet de. En fait, ce qu'elle propose, c'est. Pour les personnes, vous m'avez convaincu, pour les êtres vivants qui ont pas des paroles, au moins des paroles comme nous, et on les entend pas parce qu'ils utilisent d'autres formes de communication qui sont différentes à nous. Et ce que je propose au niveau des droits que tu as mentionné, c'est de donner une parole dans nos institutions juridiques. Et en fait, il donne l'exemple de quelque chose qui est déjà en cours. Il y a plein de monde qui aujourd'hui peut se pointer dans des tribunaux pour défendre les droits des animaux de compagnie, par exemple. Non? Donc, moi, je pense que c'est une piste intéressante qui jumelle à la fois les droits à la parole qu'ont les autres humains. Versus l'importance, nous amène aussi à l'importance de travailler à ce niveau de loi aussi, de ne pas l'oublier. Tu as nommé plusieurs pays qui ont développé des lois déjà, la Bolivie et l'Amérique du Sud entier, l'Équateur aussi, la Bolivie fondamentalement, mais toute l'Amérique du Sud entier à travers le mouvement du bien vivre que vous connaissez. Installe dans la constitution du pays, c'est fort comme principe, les droits des autres communs, particulièrement la Bolivie en 2010. Donc, quand même, déjà une longue trajectoire de ça. Donc, vous m'avez fait penser à ça et vous m'avez fait penser à OK, c'est quoi que peut faire la philo pour contribuer à tout ça qui est déjà en cours. Je vous lance en forme de commentaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose après. Donc, je vais commencer par Charlie ou par moi. On va commencer par voir si. Charlie, est-ce que tu veux réagir à la question à quel point les émotions étaient impliquées dans tes interventions, puis si tu avais des pistes d'intervention? Alors, c'était pas ça exactement la question, je crois, d'Adolfo? C'est peut-être moi qui l'ai mal formulé. Je suis pas un bandit, une amie, bien sûr. À quel point les émotions sont impliquées, si elle a des pistes. Je voudrais laisser Charlie de répondre selon sa compréhension de ma question. Alors, les émotions, en fait, j'aimerais t'entendre parler un peu plus par rapport à ce constat que tu fais de la présence des émotions dans les entretiens que tu analyses. Oui, merci beaucoup, Adolfo, pour ta question. En fait, je m'inspire du travail de Christian Plantin sur l'argumentation, et puis Claire Polo, qui vraiment a fait une thèse en fait sur les controverses socio-scientifiques, et elle montre que l'argumentation c'est une activité socio-cognitivo-émotionnelle. Donc vraiment, il y a quelque chose, la place de l'émotion qui est très très fondamentale dans l'argumentation, et elle part notamment du travail de la face. Dans l'argumentation, tu sais, qu'elle tire de Goffman. Et donc, en fait, toute cette question que quand on interagit avec les autres, en fait, on veille à garder une entente, on privilégie le consensus, on privilégie l'accord, sauf dans l'argumentation où le désaccord est structurel. Et donc, en fait, ça crée le conflit, en fait, le désaccord est structurel dans l'argumentation. Et donc, nécessairement, ça va installer un climat de tension, alors un climat, par exemple un conflit socio-cognitif, mais qui va pouvoir être résolu cognitivement ou émotionnellement.
Parce que finalement, en fait, parfois, le conflit socio-cognitif, il n'est pas forcément résolu cognitivement. Parfois, c'est simplement émotionnellement. On se dit, bon, allez, on change de sujet, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que elle a dégagé des indicateurs pour observer les signes avant-coureurs d'émotions ou ce qu'elle appelle, en fait, des indicateurs de tension, indicateurs préventifs de tension émotionnelle et indicateurs réactifs de tension émotionnelle. Et donc, par exemple, là, dans les indicateurs de quelque chose, de l'émotion, tu vas avoir des adresses. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va dire « Et toi, quand tu as dit ça, tu as rigolé, mais en fait, que voilà, y a la façon de s'adresser à l'autre. » Il y a aussi, par exemple, des indicateurs sémantiques et lexicaux, par exemple, tous les modalisateurs. Plus je vais modaliser, c'est-à-dire entourer mon discours par exemple, de probabilité, ou même tout ce dont je parlais à propos de l'autocorrection, etc., montrer qu'on est disposé à changer d'avis vis-à-vis de l'autre, en fait, ça apaise les tensions et ça apaise le climat conflictuel qu'il pourrait y avoir. Là, je parle essentiellement des émotions négatives, enfin pour le raisonnement et le dialogue, mais en vérité, elles ont aussi des rôles positifs, hein, les émotions, l'encouragement, le soutien qu'on peut apporter à l'autre, etc. Et donc, ça peut se retrouver donc de façon très très claire au niveau de l'énonciation. Et puis, bon, ça peut aller même jusqu'aux insultes. Hein. Moi, là, j'ai des grands gaillards de séries techno. Ils n'hésitent pas à se dire « t'es con, quoi ». Donc, là, on sent qu'il y a une émotion qui s'est passée. et puis, alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant là, dans la recherche que j'ai faite pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, je pense que les interventions relativistes, elles participent en fait à apaiser un conflit et donc à restaurer un climat socio-affectif propice au dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, la plupart du temps, une grande majorité des interventions des élèves, quand ils disent « oui, mais ça dépend, oui, ça dépend des gens, etc. », c'est pas tellement qu'ils défendent une conception épistémique relativiste, mais c'est plutôt parce qu'ils veulent apaiser, alors soit parce qu'ils veulent pas se remettre en question, ça c'est possible aussi, hein, mais apaiser le climat tendu qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc il y a plein d'indicateurs, en fait, à la fois, dans les vidéos, ça se voit aussi, la façon dont le corps se tient, s'ils sont en avant, plutôt agressifs, ou s'ils sont dans le retrait comme ça. Voilà, dans la vidéo, on l'observe aussi, et puis donc dans les indicateurs verbaux. Merci, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre les deux questions, au moins pour les entendre. Puis on peut profiter de la période de pause pour échanger de manière informelle sur ces questions. On va prendre trop de retard. Donc, Mathieu, est-ce que tu voulais adresser ta question? Oui, je vais essayer d'être rapide. Merci pour vos présentations. Je vais commencer avec toi, Charlie. Merci pour ta présentation. On commence à voir l'aperçu de tes résultats. C'est super intéressant. C'est un beau conduit. Puis ça prend forme. Ça montre aussi qu'il y a des épistémologies et des rapports au savoir, ce qui confirme des hypothèses qu'on a émergées il y a déjà presque 10 ans. On se dirige vers ça, en fait. On parlait beaucoup plus d'espace de conception épistémologique que de processus développementaux, etc. Puis je pense que ça témoigne quand même beaucoup de ça, ce que tu évoques. L'idée aussi d'un relativisme qui apaise, ça aussi, on l'avait comparativement à d'autres postures, par exemple, comme le dogmatisme ou... Par ailleurs, il y a des relativismes. Hein? Il y a le relativisme dit absolu, relativisme procédural, relativisme de rigueur à l'Aurélien Barreau. En tout cas, ce ne sont pas tous les relativismes qui s'équivalent de ce point de vue-là, hein, du point de vue du dialogue. J'aimerais par ailleurs, est-ce que je te poserai une question, tu verras si tu as le temps d'y répondre. Tu as répondu un peu par le biais de la réponse de l'intervention suite à Adolfo. Tu as dit en début de présentation, c'est très émotif, donc peu de place pour l'argumentation. Je ne suis pas convaincu, en fait. Même ta réponse ne m'a pas nécessairement convaincu non plus. Des fois, l'émotion peut générer des souffles d'argumentation, peut-être pas dans une ambiance qu'on souhaiterait, mais il y a quand même de la mobilisation d'arguments qui se fait parfois de façon encore plus systématique quand il y a des émotions qui sont convoquées. Tu parles, entre autres, ben, régulièrement d'interventions épistémiques et épistémologiques sans vraiment distinguer les deux. Ça aurait été intéressant que tu nous... t'as glissé un mot à un moment donné sur la,
ce que pourrait être une intervention épistémologique, mais à travers ta présentation de tes résultats, mais tu n'as pas procédé à la distinction de façon systématique. Puis je ne vois pas la posture socio-constructiviste dans tes analyses, alors que c'est une posture épistémologique qui est quand même assez documentée. Donc, je me demandais pourquoi elle n'apparaissait pas. Est-ce que c'est parce que tu ne l'as pas observée, que tu n'étais pas dans ta grille? Je pense, entre autres, à la posture socio-constructiviste de Gérard Fourès, donc, qui a été développée dans son ouvrage. Je m'en souviens plus, la construction des sciences, en tout cas, bref, c'est le titre, c'est un titre en réaction à Karl Popper, ça va me revenir. Fait que si jamais tu peux me parler de ça à la pause, même si on ne se parlera pas à la pause, ça c'est une de votre côté, c'est super intéressant pour les sciences. La construction des sciences, logique des inventions scientifiques, par opposition au texte de Karl Popper. Je pense à pas Adolfo, mais Christophe, faudrait quand même diffuser ton chapitre sur le réseau du collectif. C'est intéressant. Même, parce qu'il faudrait le faire connaître. Il y a deux ou trois trucs que vous avez évoqués, puis je le mentionne rapidement. Je ne suis pas convaincu à 100% que la perspective des animaux n'est pas si souvent prise dans un dialogue philo. Je pense qu'il y a des initiatives qui existent et qui ne sont peut-être pas documentées. Nadia pourrait sûrement en parler, là, mais il y a des gens qui font cet exercice. Mais ça fait peut-être partie de la littérature grise à l'extérieur du radar, mais je pense qu'il y a des choses qui se font dans ce sens-là. Moi, j'ai déjà vu des propositions d'activités qui étaient là-dessus. Vous avez, dans les quatre principes que tu as évoqués là, au niveau d'une pédagogie de la rencontre, le quatrième, tu as dit, dans notre culture, seuls les humains ont une sensibilité et une conscience. En tout cas, c'est la conception qu'on peut en avoir, mais je me demandais, en lien avec ce qu'Adolfo a dit, est-ce que vous avez pris en compte les études en éthique animale qui revendiquent cet aspect-là de façon très explicite en s'appuyant notamment sur les sciences cognitives, en montrant que les animaux ont une conscience d'eux-mêmes, qu'ils ont une sensibilité, qu'ils ont une agentivité? Alors, j'ai l'impression que ça entre dans notre culture aussi, par le biais de par ailleurs, très occidentaux. Est-ce que c'est un aspect que vous avez examiné? Que vous avez introduit dans votre question. Je dis que j'allais être court, mais je ne l'ai pas été. C'est déjà comme ça. Ça me surprend aussi, Mathieu, que tu ne sois pas revenu sur le premier critère du plaisir, parce qu'il est vraiment remis en question, ce critère-là, aussi dans l'ouvrage d'Agnon et Yabjou. Tabrina, tu veux nous donner ta question à la fin? Oui, bien tout d'abord, bravo aux conférencières et aux conférenciers, ainsi que pour votre ouvrage. Je me demandais qu'est-ce que vous envisagez pour la suite. C'est sûr que là, j'ai un pied sur le terrain, puis j'enseigne à 4 jours semaine. Donc, je me demandais ce que vous envisagez, par exemple, d'aller à la CEP présenter en conférence votre ouvrage ou d'aller dans les différentes disciplines, par exemple, à la CESAP, le congrès pour les arts plastiques, primaire, secondaire, parce que votre ouvrage est... C'est un grand plaisir pour moi de le lire, mais je sais que les enseignants sur le terrain, on est quand même très surchargés, puis les conditions ne se sont pas améliorées malgré les manifestations. Donc, ça risque pas de changer pour l'instant. Fait, je sais souvent les conférences quand même très appréciées ou des capsules éducatives. Là, je ne sais pas si c'était par rapport à ça que j'ai vu certaines capsules. Je ne sais pas si c'était lié à votre ouvrage ou à... De répondre, parce que là, il y a plein de questions qui ont été posées. Oui, hein, j'ai posé quand même plusieurs questions. Oui, aussi, en plus. Mais malheureusement. En fait. Très rapidement, demain, on va au colloque culture et éducation. On va rencontrer les conseillers, conseillères pédagogiques, les commissions scolaires qui ont pour mission de diffuser l'approche culturelle dans les écoles. Alors, on va commencer par leur présenter ça, mais on a aussi du matériel qu'on va distribuer dans les centres de services scolaires prochainement. Génial, bravo. Très bon. En fait, il y a toute l'étape de discussion qui est bon. Ou large, non? Et moi, j'aimerais dire une chose pour finir. En fait, l'autre jour, on a vu la première présentation comme prof de Pierre-Luc. Et aujourd'hui, on voit une des dernières présentations de Mélanie comme étudiante. Et je ne sais pas si vous l'avez vu dans sa présentation, elle poste. Et au centre, elle va faire partie de l'équipe du centre en tant que prof à l'Université de Québec à Montréal à partir du 1er juin. Donc,
Si j'aimerais dire que c'est une des dernières présentations aussi, Christophe, comme cher collègue du département de l'enseignement. Christophe, tu as partagé avec moi les trois dernières années au même département. C'est un plaisir de travailler avec lui. Dernièrement, j'ai vu il y a de la place pour des émotions, non, ici. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes de ma famille, des collègues, des gens en Espagne, et j'ai manifesté à quel point j'étais en train de vivre un deuil avec votre départ et le départ de Mathieu depuis le mois de décembre. Et c'est drôle qu'aujourd'hui, vous êtes les trois ici, devant, et je le prends comme un cadeau pour moi aujourd'hui, que je ne m'attendais pas nécessairement à avoir ce cadeau servi sur la table. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis tellement content pour vous que la vie continue, évolue. Et en même temps, je suis tellement triste que ça ne continue pas dans le même département, mais on sait qu'on va continuer. Je voulais nommer ça avant la pause. Partir en pause avec plein d'émotions. Il va pouvoir se les partager. Bien, merci. On va y aller pour un 20 minutes de pause. Donc, on va revenir à 8:48. Vous pouvez prendre des biscuits, du café. La prochaine partie, c'est une partie qui est un petit peu, je veux dire, je ne sais pas quel mot utiliser, spécial. parce que, dans le fond, on va aborder la création d'un guide de matériel pédagogique transdisciplinaire en éducation relative au changement climatique. Puis sur ce projet-là, c'est Adolfo qui est ici en collaboration avec... Tu veux-tu expliquer un peu avec Émilie Morin? Tu vas l'expliquer au départ. Mais on est comme cinq dans les aujourd'hui, là. Fait qu'on va être cinq à intervenir en même temps. Donc, je vais laisser Adolfo commencer. Et à la suite de ça, on va intervenir. Il y a Cara qui est dans le projet... Alexis, Rebecca, j'ai pris l'enceinte, je t'ai prise pour Alexis, excuse-moi. Bon, je commence. Oui. Et moi, très rapidement, juste pour situer le projet, on a commencé à travailler depuis les deux dernières années. Et avec Émilie Morin et une grande équipe, Martha Teixeira, que vous l'avez vu hier, était là, était dans cette équipe. Et Geneviève Thériault, etc. Il y avait comme Barbara Bader. Il y avait beaucoup de personnes impliquées dans ce projet qu'Émilie Morin a mené pour créer un parcours d'éducation relative au changement climatique. Et en formation pratique, en formation continue pratique, en stage, et autant pour les futurs enseignants et enseignants au préscolaire, au primaire que au secondaire. Donc, dans le cadre de ce magnifique projet qu'on a travaillé avec passion et avec de belles rencontres, une grande complémentarité, une ambiance incroyable. Et le type de projet que tu vis, bon, ça finit jamais, mais que ça finit en trois. Et dans le cadre de ce projet, on a commencé la création de matériel pédagogique et de façon complètement transdisciplinaire. Donc, on a oublié les disciplines de chaque personne, on a oublié tout ça, et on s'est dit, Go, on va créer quelque chose à partir de trois pôles, trois axes. Premièrement, on va créer un matériel sur le changement climatique, parce que c'est ça le mandat du projet. Deuxième chose, on veut absolument que la philo pour enfants soit présente de façon transversale. Troisième chose, on veut absolument que les perspectives autochtones soient présentes de façon transversale. Donc, avec Cara, et Alexis, surtout, Mélanie aussi a collaboré à une étape initiale de ce projet. Et on a conçu 8 ateliers qui sont connectés. Et on les a créés sur une plateforme, vous allez voir. Autour de ces 8 ateliers, il y a une énorme variété d'activités et que les points
on a respecté notre consigne initiale, donc il y a toujours une porte d'entrée à travers la littérature jeunesse autochtone et des romans inuits. Et il y a toujours des activités en lien avec la pratique du dialogue philosophique. Donc, la première étape de ce projet complètement transdisciplinaire a été complétée en décembre 2023. On est dans la deuxième étape. On a fait une demande de financement au ministère de l'Éducation dans le cadre d'un concours pour la création de matériel didactique et pédagogique et sur les changements climatiques. Et c'est un concours spécifique pour la création de ce type de matériel. On a obtenu un financement qui nous permet de former une équipe où Émilie Moret, éco-chercheur, et Mathieu Gagnon, et moi-même, j'ai oublié une personne, et c'est dommage parce que... Mais, bon, et on est quatre chercheurs dans le projet. Et Marta. Désolé. Et Marta Teixeira. Désolé, Marta, pour cette. De ma pensée. Donc, on est quatre chercheurs. Marta, on l'a voit. Merci. On est une équipe de personnes qui font le doctorat dans les différentes disciplines d'apprentissage. Il y en a une équipe de personnes qui font des maîtrises type professionnel, donc qui sont en classe, avec des groupes classes, et qui font à la fois une maîtrise professionnelle dans le cadre de ce projet pour tester le matériel qu'on a créé, donner un feedback et faire à la fois son mémoire professionnelle et faire à la fois son essai de maîtrise et contribuer à la fois à la création du matériel. Donc, on a comme les différents niveaux, terrain, plus théorique, plus recherche doctorale, etc. Et c'est une équipe qui s'est construite tranquillement. Et ça avance tellement bien dans la création des liens disciplinaires. En fait, on a suivi la logique, on crée les matériels transdisciplinaires et maintenant, le mandat du ministère, c'est de créer les liens avec les disciplines. Et c'est ce qu'on va faire avec les experts de chaque discipline, créer des liens. Et comme résultat, on attend, entre autres choses, un matériel qui va être un clé en main pour différents enseignants et enseignants de différentes disciplines. Et aussi, la divulgation va être faite à partir des articles professionnels co-dirigés entre les doctorantes et doctorants et les personnes qui font la maîtrise essai. Donc, ça va être un fort de publication professionnelle pour faire la diffusion large. Il y aura d'autres façons de diffuser aussi, mais sans doute qu'on priorise. Et le cadre théorique de ce projet, le cadre théorique, c'est le modèle que plusieurs d'entre vous m'avaient vu présenter différemment et à différentes étapes au fil de ma carrière. C'est un modèle autour de ces enjeux que je viens de nommer, qui évolue maintenant et ce projet converge vraiment. Et j'ai l'impression que converge tout le travail que j'ai fait dans ma carrière finalement. Donc, c'est un plaisir de voir un projet où on peut faire converger différentes choses qui étaient un peu plus dispersées avec une équipe qui est magnifique et qui vont présenter aujourd'hui une partie du matériel de façon très dynamique. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que c'est à vous. Parce que dynamique à l'avant, si vous voulez me rejoindre, je vais me sentir un petit peu moins tout seul. Je serai chavis. On va commencer en vous présentant une partie de ce matériel-là qui est issu d'un projet à la suite d'un projet avec une immense équipe. On a sélectionné quelques petites activités, mais en fait, des portions d'activités. On voulait commencer avec une activité avant de rentrer dans le détail du matériel. Et donc, cette première activité-là, on a pris des images qui sont issues du
petit programme d'activité qu'on montre. Cette première activité-là, l'activité du poème troué, on a vu que pour entamer une réflexion sur son propre rapport au territoire et au vivant, chaque personne doit compléter le poème de la page suivante en y insérant dans les espaces vides un mot considéré comme étant significatif pour vous-même. Et donc, il y a la petite notice à savoir qu'on n'est pas dans une logique de poème où on souhaite que ça rime forcément, il n'y a pas cette dimension de complexité-là, si on peut poursuivre sur la prochaine vidéo. C'est un peu petit, j'espère que bon, c'est quand même un peu lisible. C'est un poème qui est issu d'un recueil de poésie de la poète de Brittany Bacon, où on a simplement gardé essentiellement la moitié du poème pour laisser un espace de créativité. On dit ma richesse s'appelle, petit point, ma maison s'appelle, petit point, mon feu s'appelle, mon canot s'appelle, ma robe s'appelle, s'appelle, mon chant s'appelle, et finalement, moi, je m'appelle humain. Et donc, ce qu'on souhaite vous demander, on va vous laisser peut-être un petit 2-3 minutes pour faire ça, c'est juste chacun de votre côté de prendre le temps, si spontanément, de mettre sur papier ce que ça évoque pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous votre richesse? Qu'est-ce que c'est pour vous votre maison? Et ainsi de suite, et on va revenir ensuite sur vos petites réponses. Je n'avais pas de crayon, faites-moi signe. Et les personnes en ligne, on vous invite à faire l'exercice, évidemment. À la page suivante de l'interprétation, où ces questions-là arriveraient une après l'autre normalement, mais là, on vous présente dans l'ensemble. Ce qu'on ferait en classe, ça serait d'abord de poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous avez écrit et venir les écrire à l'avant. Je vais quand même les passer en ordre, questionner un petit peu rapidement, juste pour nous donner un petit peu de matière à réflexion pour l'étape d'après, on va avoir une petite réflexion plus méta un petit peu. Et donc, spontanément, juste me donner un petit couple, disons, de mots. Par exemple, ma richesse s'appelle telle chose. Est-ce que j'ai des gens qui veulent me nommer ce qu'ils ont eu? Peu importe, je prends quelle section tu veux. Peux-tu ramener l'autre avant? Parce que moi, j'ai juste écrit les réponses, pas les questions. Merci. On a quelqu'un qui veut nous partager une de ses croyances. La maison. En levant la main. Elle a levé la main. Oui, et pour ma richesse s'appelle j'ai mis famille. Une pauvreté. Une arme. J'ai mis nature. J'ai mis amour. Moi aussi. Pour la maison, est-ce qu'on a dit c'est pour ça? Coucou. Famille, j'ai mis là. Charlie avait une ma maison s'appelle forêt. La mer. C'est la prochaine. Et donc, la première question qu'on vient leur poser, c'est de manière très large, que remarquez-vous après avoir réalisé ce court exercice? Qu'est-ce que ça évoque spontanément chez vous d'avoir eu à faire cet exercice? Ce que j'observe en fait, l'interprétation, par exemple, j'avais mis environnement comme si une passion, une urgence de protéger l'environnement. J'ai mis environnement pour que ce soit ça. Fait que, mettons, ça a comme été que l'interprétation que j'avais du feu, que le feu, c'est ardent, c'est quelque chose d'intense, fait que protection de l'environnement. Fait que je pense, comme maison, il y en a qui ont mis forêt, il y en a qui ont mis nature. Fait que j'ai l'impression que ça a beaucoup avec l'interprétation des mots et des réponses. Je remarque que j'ai cherché à chaque fois d'associer plusieurs mots. Mon canot s'appelle, si je mettais juste un mot, ça faisait une barre d'égalité qui me dérangeait, donc j'en ai mis plusieurs pour être plus à l'aise. Simplement, est-ce que ça a été un exercice compliqué à réaliser ou c'est sorti rapidement et c'était simple? Pour moi, c'était compliqué. Est-ce qui a rendu ça compliqué? Ouais, je voulais avoir l'air intelligent.
La poésie est biaisée par le contexte et les émotions suscitées par ces trois jours connectés avec l'environnement et l'important. Oui, c'est intéressant comme réflexion parce que si le poème est fait en début d'année versus à la fin de l'année ou après qu'on ait abordé des thèmes en éducation à l'environnement, peut-être qu'on en arriverait pas. Y a-t-il des liens entre les mots qu'on a choisis? On en a seulement quelques-uns, mais est-ce que spontanément vous voyez des liens entre les mots qui ont été faits? Il y en a deux qui c'était le même. Je pense qu'on a eu amour à deux endroits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui unit un peu les mots qui ont été utilisés? Je ne sais pas si je me lance dans la bonne direction, mais ça se peut-tu que ce soit lié au. Que certaines phrases amènent à penser à des valeurs, d'autres à des endroits qui nous font sentir bien ou liés aux émotions, aux valeurs, des choses comme ça. Ça se peut-tu? C'est possible, ça. Parce qu'on... Mais on a eu amour, famille, environnement qui peuvent être des valeurs importantes pour les gens. Oui. Genre, c'est le café qui me fait parler beaucoup, je suis désolée. J'en veux par mois. C'était ce matin. Aujourd'hui, puis avant hier. Je remarque aussi qu'on est tout de suite allé dans la métaphore. Chaque fois, on a associé très... il y a tel mot, c'est une métaphore de quoi. Et on a cherché ça. Et ce mécanisme, on l'a tous eu. Spontanément. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui aurait été similaire dans une classe de secondaire? Peut-être, mais peut-être qu'au primaire, plus compliqué. Je me dis, OK, un canot, métaphore de quoi? Ben, un canot, c'est on donne voiture. Des noms, des vrais noms à des vrais objets. Non, mais si ce n'est pas une métaphore, ça veut dire qu'il y a un vrai nom à mon canot, il y a un vrai nom à ma maison. Ils n'appellent pas l'habitude, hein? Je pense que ça dépend beaucoup du cadre qu'on se donne pour réaliser la tâche. Moi, je m'étais donné un cadre de pensée par paradoxe, un peu. Et pas du tout le cadre de la métaphore. Par exemple, pour le feu, moi, j'ai dit humidité. Pour la maison, j'ai dit absence. Pour le canot, j'ai dit volant. Pour la robe, j'ai dit pantalon. C'est un pattern que je m'étais donné, mais qui n'est pas du tout le pattern de la métaphore. Fait que ça rendait l'exercice peut-être plus facile. Peut-être pas nécessairement intelligent, mais peut-être plus facile parce que j'avais déjà... stratégie. Si on cherche les métaphores à chaque fois, peut-être que là, l'exercice est un petit peu plus complexe. Moi, j'aime ça me faciliter. Là. Se donner des stratégies, c'est quand même intelligent. Ça dépend quelle stratégie. J'en ai mis plusieurs dans ma vie, c'était pas très... J'en comprends qu'effectivement, il y a plusieurs manières en fonction de comment on va amener cette activité-là, d'orienter un petit peu, peut-être de guider les élèves dans différents... en admettant qu'on soit avec des élèves on sait pas. Dans différentes manières d'approcher l'exercice. Après, le pouce sur ce que dit Mathieu, effectivement, quand tu as dit poésie, nous, la préconception ou le préjugé culturel qu'on avait, c'est poésie égale métaphore, donc allons-y. Quoi, en fait. Donc, effectivement, ce présupposé-là, peut-être qu'avec des enfants au primaire, est moins évident. Quoi. Ouais, et puis un homme, si je pense que c'est très bien. Ça a été merci. J'ai changé d'heure pour faire aimer. Ma chaise s'appelle vie, mon champ s'appelle sourire, ma maison s'appelle terre, ma porte s'appelle de l'air, mon fille s'appelle amitié, ma robe s'appelle facilité. Donc, elle a changé d'heure pour aimer les univers. Dans les conseils, on disait que c'était pas obligé d'aimer les parents. C'est sûr. Je passe sur la dernière petite question qu'on avait dans cette portion de l'activité. Rapidement, nommer les mots. Chacun a écrit, on aurait passé plus de temps avec ça en classe, mais est-ce que pour vous, ces mots-là, vous allez appeler aux autres, est-ce que ça peut indiquer sur votre rapport au monde naturel de manière générale? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, sont évocatrices d'une partie de notre rapport au territoire, à l'environnement, dans le mot que vous avez inscrit. Ouais. Ben, en fait, ça va en lien avec, je pense qu'il y avait des commentaires plutôt qu'ils le nommaient, c'est que la plupart, en tout cas, moi, je remarque que j'ai mis des noms, effectivement, il n'y a pas d'action vraiment, il n'y a pas de verbe,
Puis ben là, évidemment, c'est un poème de Joséphine Bacon, puis bon, je le connais un peu, puis je pense que dans d'autres univers linguistiques, il n'y a pas le même rapport de substantif là, par rapport au monde. On est beaucoup dans l'action, c'est le dynamisme, fait que ça, je pense que ça vient bien montrer comment moi, je vois l'environnement encore comme un paquet d'objets. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une phrase où tu as utilisé le nom? Ah, ben la richesse, c'est mes proches. La richesse, ce sont mes proches, c'est, ça, c'est mes proches. Joséphine. Joséphine aussi. On avait une petite dernière réflexion sur ça. En fait, c'était pas une réflexion, c'est plutôt une question de quel recueil de textes de Joséphine. Nous sommes tous sauvages. Ouais. Sous la diapositive suivante, ouais. C'est à ce qu'on arrive. Bonjour. 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 Et donc, on a le poème en entier ici. Ma richesse s'appelle Saumon, ma maison s'appelle Garigou, qui s'appelle Kivinet Noir, mon canon s'appelle Boulot, ma robe s'appelle Nickel, ma corps s'appelle Aigle, mon chant s'appelle Tambour, moi je m'appelle Humain. Inou qui veut dire humain. Et normalement, la suite de ça, ça serait la parole. Normalement, la suite de cette activité-là, ça serait donc de venir mettre en dialogue différentes perspectives, les mots qui sont inscrits dans le poème original avec ce que nous, on a inscrit dans la classe comme mots pour voir est-ce qu'il y a des similarités, est-ce qu'il y a des distinctions et éventuellement qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça indique sur notre performance, notre environnement. Et ça, parce que l'amour est tout le monde. La recherche du vrai, parce que là. C'est un horrible doute. Sur le terme boulot. Donc, on avait un petit temps prévu pour le retour méta, mais vous avez déjà soulevé les enjeux. Comme au primaire avec les enfants, mais il faudrait peut-être faire une phrase à la fois en accompagnant les enfants. Donc, on commence en disant ma richesse s'appelle, puis là, on va dire bien, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir dire quand on dit ma richesse? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est peut-être quelque chose qui représente de la valeur pour nous. OK, est-ce que vous pouvez maintenant écrire un mot? Quelque chose qui a de la valeur pour vous, puis de les accompagner comme ça, une phrase à la fois. Pour les adolescents, ben, ça dépend de leurs besoins, puis des groupes. Là, il y a des groupes qui pourraient répondre plus rapidement au poème, puis certains élèves vont avoir besoin de plus d'accompagnement. Fait que ce serait de voir les modalités qu'on met en place en fonction des groupes dans l'adolescence. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres enjeux ou d'autres difficultés qui peuvent se présenter avec un exercice comme celui-là en classe. Oui, Sabrina. Bien sûr, j'enseigne en première année, mais je trouve ça vraiment intéressant, j'envisage fortement de le faire. Là. Mais peut-être, justement, il y en a qui peuvent aller déjà dans les métaphores, mais il y en a qui vont être très bloqués, qui vont nommer littéralement, mettons, mon canot s'appelle Amélie. Et je pense, bien, justement, il y a une question à la fois, mais aussi de vraiment discuter sur le sens des mots. Je pense que ça peut être vraiment pertinent qu'il le dise. La métaphore, l'analogie fait partie du programme d'enseignement aussi en CCQ. Fait qu'il peut avoir un enseignement explicite qui est fait avant où on explicite l'habileté, on l'enseigne, puis après ça, on l'avance. Peut-être avant. Non, tu veux juste avant. Oui, ça, parce que je ferais, ça serait un problème dans l'activité si justement quelqu'un disait mon canot et s'appelle Amélie. Ça serait. Je vais dans ce sens-là aussi, Olivier. Moi, je pense qu'il y a une perche quand même philosophique intéressante à exploiter. Par exemple, pourquoi donner le nom d'une personne à un objet? Est-ce que les objets ont des personnalités ou est-ce que les concepts ont des personnalités? Amélie, ça veut dire quoi par rapport à la richesse? Est-ce que Amélie renvoie à quoi dans ton esprit? Ou est-ce qu'on aurait pu l'appeler Gertrude? Ou pourquoi le nom féminin puis pas masculin? Il y a plein de choses comme celles-là qui peuvent être exploitées, à mon avis, même si, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, là, mais... Même si on n'est pas dans l'ordre de la métaphore, il y a quand même quelque chose de métaphorique pareil. Tout à fait. Il y a probablement des choses qu'on peut exploiter d'un point de vue philosophique, malgré tout, sans avoir nécessairement à expliciter ce qu'est une métaphore, puis donner des exigences, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était un peu sans contrainte aussi que l'exercice était voulu. Après, tu peux toujours y aller par infusion, puis prendre à la volée une métaphore qui a été faite pour expliciter. Ah, ici, il y a un mouvement qui s'appelle la métaphore qui a été présentée, qui est moins présent dans l'autre. Puis là, ça permet d'intégrer des éléments de contenu à travers de la multiplicité des exemples. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de travailler, je pense. C'est
Ce qui est recherché plus au final ici, c'est de se rendre compte que Joséphine Bacon, ben, dans son poème, tous ces mots sont en lien avec le monde naturel, sont en rapport avec le monde naturel. Généralement, ce qui ressort quand on fait l'activité, c'est que les personnes participantes ou les élèves, ben, eux, ce ne sont pas tous les mots qui sont en lien avec le monde naturel. Fait que c'est un peu d'avoir la discussion, ben, pourquoi il y a cet écart-là, puis est-ce que pourquoi notre rapport au monde naturel il est différent, pourquoi c'est pas ressorti, moi, dans mes mots ou dans mon poème. Fait que d'avoir un peu la réflexion autour de ça. C'est bon. On a eu une suggestion, je crois que c'était Véronique dans le clavardage qui disait ah, ce serait, je serais curieuse de voir si on laissait les gens remplacer le mot humain à la fin. Donc, je m'appelle puis aller mettre. Merci pour l'intervention. Mais en fait, il y a tellement d'interventions intéressantes. Merci pour la conversation parallèle en distanciel. Ça va être difficile de récupérer ici en salle maintenant tout ce que vous dites, mais que vous le sachiez autant en distance qu'ici, c'est un matériel en construction, comme j'ai dit tantôt, et tout ce que vous dites est enregistré. En faire partie va nous permettre de nous ajuster et bonifier le matériel. Donc, merci beaucoup pour toutes les interventions. J'aimerais prendre la discussion sur le clavardage, merci. Discussion sur le clavardage. Non, mais c'est correct. Péri plus tard. Correct. On continue à parler sur le clavardage. C'est intéressant. Mais j'ai parlé. Au départ, t'en as parlé un petit peu. C'est ça. Ce sont un peu les trois pôles que j'ai présentés tantôt. Un matériel qui est créé autour de ces trois axes. Et je pense qu'après, c'est la diapo sur la plateforme qu'on a utilisée. Des choses que j'ai déjà dites. Oui, ça répond, c'est un matériel qui répond à un besoin, à plusieurs besoins d'intégrer l'éducation relative au changement climatique dans les écoles et les perspectives autochtones. C'est bon. Je vais enchaîner sur celle-là. OK. Mais avant, Mathieu, il avait une question. Peut-être que vous allez répondre, je sais de moi. OK, je pense que la réponse est là, parce que je me demandais pourquoi ce critère de la perspective autochtone que vous avez. Sans doute une raison. J'ai tendance à aller un peu plus loin dans la présentation puis voir si cette question est répondue et éventuellement prendre le temps. Donc, j'enchaînerai avec cette idée-là qu'on a effectivement ces deux univers-là, l'éducation à l'éco-citoyenneté et perspective autochtone, l'éducation perspective autochtone, l'utilisation de ces perspectives-là pour créer l'éco-citoyenneté. On a deux univers qui ont. On en a parlé pour l'éco-citoyenneté, certaines difficultés à avoir des ancrages curriculaires plus solides au Québec. C'est même là pour les perspectives autochtones. Pour l'éco-citoyenneté, on en parlait également de cette difficulté à l'intégrer, notamment dans cette dimension plus critique, politique et à la question plus collective aussi. Du côté des perspectives autochtones, ce qu'on voit de manière plus générale, c'est à travers la francophonie au Canada et notamment au Québec, c'est le fait qu'on a moins de présence d'enseignement scolaire des perspectives autochtones. Et on en a parlé également au départ, on prendra le temps de revenir dans la présentation ici, mais cette ouverture-là pour ces deux univers-là, dans le nouveau cours de l'Institut, avec une annexe de perspectives autochtones. C'est juste un ajout, mais par rapport au problème de départ, je me dis que c'est. Vous l'avez utilisé, ça fait vraiment une transition de CCQ à univers social, par exemple. Voilà. On peut aussi inverser la perspective. Partir d'abord de l'univers social où on présente par exemple les Premières Nations. Et dans le poème, c'est plutôt richesse, maison, feu, canot, robe, quoi, qu'on enlève. On demande aux élèves de retrouver ce... Donc on inverse l'ordre des trous, en fait. Comme ça, ensuite, on peut aller à la philosophie pour enfants et. Au CCQ pour dire, bah, à votre avis, pourquoi est-ce que le saumon, elle appelle ça richesse? Donc là, on peut développer aussi dans ce sens-là pour
On va aller ouvrir plus le dialogue philo. Tu nous devances aussi, mais comme on l'expliquait au départ, les ateliers sont transdisciplinaires. Donc, le poème, à la base, dans la série d'ateliers, l'activité du poème, il est transdisciplinaire. Fait qu'après ça, on peut même l'appliquer, tu as dit, univers social, science. Là, c'est ce qu'on va vous montrer tantôt, nos applications. Mais on pourrait aussi le faire en français, parce qu'en français, il y a la poésie qui est au programme. Donc, c'est vraiment c'est des ateliers qui ont été pensés pour pouvoir être adaptés dans chacune des matières qui sont à l'école. Et il y a notamment un lieu où se recoupent naturellement perspectives autochtones et éco-citoyenneté, mouvements environnementaux de manière générale, mais particulièrement au Québec et au Canada, mais dans le monde en général, au niveau des mouvements environnementaux écologistes pour la protection du territoire. Et pour nous, ça constitue des exemples qui sont particulièrement riches et autour desquels on peut développer un dialogue philosophique qui permette le développement d'une pensée qui inclut l'idée créative bienveillante et le développement éventuellement d'un agir éco-citoyen aussi et une capacité d'agir éco-citoyen. Et donc, du côté des mouvements environnementaux, ce qu'on en retient, c'est que ça va nous permettre de développer des réflexions à partir de l'ancrage des perspectives citoyennes, perspectives écologiques, perspectives environnementales et sociales qu'ils ont. Alors que du côté des mouvements autochtones, sans que ce soit exhaustif, on peut développer les réflexions philo autour des savoirs traditionnels qui sont transmis, des ontologies autochtones, des revendications qui sont portées par le peuple dans ces mouvements qui ne sont pas strictement écologiques, et des perspectives politiques, sociales, historiques, culturelles. À ce stade-ci, ce qu'Alexis vient de vous présenter, tu as commencé à en parler un peu, mais on se disait, bon, là, en éducation, pour être les personnes enseignantes, par où on va, comment on y va. Donc, l'idée, peut-être rétro-pédaler un peu, puis revenir sur la parution du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, qui est en 2015. Et dans le fond, dans ce rapport-là, c'est justement toute l'histoire des premiers peuples en lien avec l'éducation. Donc, toute l'histoire des pensionnats qui est mise en lumière. Et l'honorable Marie Sinclair, qui a présidé cette commission-là, a mentionné très clairement que c'était l'éducation, finalement, qui avait amené toute cette horreur-là, finalement, en éducation pour les premiers peuples. Et que c'était aussi l'éducation qui allait être la clé pour reconnaître la vérité et s'en sortir, entre guillemets. Il y a différentes commissions qui ont été faites à la suite de celle-là et il y a différents appels à l'action qui ont été amenés. Donc, qui dit appel à l'action dit qu'il y a nécessité de faire des transformations, de passer à l'action. Un de ces éléments-là qui est une action concrète qui a été faite au Québec, donc dans un comité de travail qui réunissait, entre autres, le Conseil en éducation des Premières Nations, l'Institut de Chacapeche et le CDFM, donc le Centre de formation de main-d'œuvre Huron-Wendat, CDFM. donc, ils ont travaillé ensemble pour faire la création de la fameuse compétence 15. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas si on partage les présentations, mais le lien est là et l'information est vraiment facilement accessible quand on cherche les éléments sur la compétence 15. Par contre, à minuit moins une, avant l'apparition du nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante, la décision a été prise d'écarter la compétence 15. Donc, elle n'est pas dans le référentiel. Par contre, il faut nommer quand même que dans ce référentiel-là, on met un paragraphe sur l'importance d'inclure les perspectives autochtones. Donc, ça devient comme légèrement prescrit, très, très légèrement, un peu infusé. On a retiré la poche de thé très rapidement de l'eau chaude. Oui. Et ça, hier, on apprenait, c'est très intéressant, que la compétence sur l'environnement avait été enlevée par des pressions du syndicat. Est-ce que la compétence 15, on a des petites informations des potins? Les potins qu'on a, c'est que le ministère se serait rétracté à la dernière minute, donc sans laisser l'occasion nécessairement à la personne de réagir. Alors, finalement, après une compétence de plus à travailler, c'est trop. C'est pas la faute des syndicats. Non, à ma connaissance, non, cela dit. Mais elle est infusée dans le reste du référentiel, est-ce que... Ouais. En fait, c'est, dans ce référentiel-là, on nomme 17 fois le mot autochtone, ce qui est une avancée de 17%. Oui, mais longue introduction, peut-être que c'est... Oui, c'est ça. Il y a un paragraphe là, qui parle de l'importance que les personnes enseignantes incluent les perspectives autochtones à leur enseignement.
Mais après, il n'y a aucun... Dans les compétences même, ça paraît. Non, ça paraît. C'est plus dans le préambule. Exactement. Tu lui as lu... Mais c'est pour ça que je posais des questions. J'ai peut-être manqué. Mais c'est... Merci pour faire le lien. C'était les deux compétences, curieusement. Les deux compétences, la 14 et la 15, les compétences écosociales et la compétence sur les perspectives autochtones qui ont disparu à la dernière minute. Donc, pour répondre à ta question, en lien avec ce qu'ils sont en train de présenter, il y a pour moi trois critères pour lesquels on sélectionne les perspectives. Pourquoi on travaille? Pourquoi on situe les perspectives autochtones au centre? La première, c'est que la littérature autochtone, on utilise concrètement la littérature, c'est un matériel très, très utilisé en classe par les enseignants et enseignants. C'est un matériel adressé à eux principalement. Ils sont familiers, ont plein de ressources déjà utilisées en classe. Donc, c'est juste de changer un livre pour un autre. Et il me fait appel à beaucoup de compétences qui sont développées par la plupart des enseignantes et enseignants dans les écoles. Deuxième chose, les perspectives autochtones intègrent d'une façon naturelle, sont incarnées en fait, les rapports aux autres qu'humains, sont incarnées dans la pensée, dans la littérature, etc. Donc, ça, c'est un élément fondamental pour l'éducation au changement climatique et plus largement l'éducation relative à l'environnement. Et la troisième question par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est une question de justice cognitive. Aujourd'hui, c'est une question de justice cognitive de faire appel à des savoirs qui ont été invisibilisés à travers l'histoire. Et c'est une façon de visibiliser justement ce qui est encore invisibilisé. Les deux compétences ont été retirées de la dernière version. Vraiment, je ne peux pas vous interrompre. Est-ce que tes compétences-là, on peut y avoir accès? Je sais qu'il y a des personnes anciennes. C'est dommage, il me semble, ça aurait été bien dans nos choses d'avoir quelque chose par rapport à l'environnement, pour les perspectives autochtones. Il y a justement plus de littérature, de plus en plus avec des perspectives autochtones dans les classes. Il y en a beaucoup sur le terrain, des fois, qui disent, ah, tu sais, c'est dommage, on veut faire plus, mais on ne sait pas trop comment. On n'a pas de lignes ou de façons de faire qui sont proposées, de modèles. Et c'est sûr que si tu as partagé, il y en a peut-être qui se mobiliseraient aussi pour que ce soit mis la prochaine fois qu'il va y avoir une discussion. Là, des liens dans les... Ouais. Pour la compétence. Il y a des liens qui apparaissent. Ouais. Sur le site du CEPN, c'est vraiment bien. La compétence, elle était créée, donc elle existe en entier. Là, je suis un peu moins familière avec les... Elle est disponible en ligne. Voilà. Même chose pour la compétence. Oui. Je reviens sur l'élément littérature, parce que oui, la littérature de Jeannette, Christophe, tu l'as mentionné plus tôt, elle est utilisée en classe. La littérature autochtone est un peu moins présente quand même. Donc, pourquoi littérature autochtone? Encore une fois, on revient un peu sur les enjeux de questions de littérature dans les choix aussi qu'on a fait dans le matériel. Donc, en fait, côté Isabelle Côté, qui a fait une synthèse des moyens concrets finalement que les personnes enseignantes utilisaient. Donc, elle relève, et comme tu l'as mentionné, Alexis, qu'au Canada francophone, on est à peu près 15 ans en arrière par rapport à l'inclusion des perspectives autochtones par rapport au Canada anglophone. Mais elle dit, par contre, une des pistes de solution qui existe et que les personnes enseignantes nomment comme étant à l'aise de l'utiliser, c'est justement la littérature. Donc, elle n'est pas encore très présente, mais à travers les livres, les personnes enseignantes se sentiraient davantage à l'aise d'inclure les perspectives autochtones à leur enseignement. Ça devient une piste de solution concrète. Oui, donc pourquoi la littérature autochtone dans les classes? Je trouvais intéressant, il y a moins de 24 heures, le professeur Martin Lépine présentait l'anagramme entre lire et lier. Donc, le fait de lire, c'est aussi le fait de lier. Puis, je trouvais que dans ce contexte-là, ça fonctionnait particulièrement bien. Donc, là, ici, vous avez trois axes différents. Donc, si on est en communauté autochtone, ce qu'on dit, c'est que la littérature autochtone permet de guérir les communautés qui sont affectées par des politiques coloniales archaïques. Donc, ça, c'est Epstein. Ensuite, la littérature, c'est un moyen d'inclure par et pour les voix des premiers peuples. Donc, on veut laisser la place aux voix des premiers peuples dans la classe. On ne veut pas parler, on ne veut pas être sûr des premiers peuples, on veut vraiment laisser cet espace-là. Et finalement, lire a plusieurs fonctions qui ont été
déterminer et, entre autres, mettre en place les prémices d'un apprentissage de l'importance de la mobilisation sociale, ce qui fait tout à fait écho avec ce dont Alexis nous parlait plus tôt. Un cadre qu'on a choisi d'utiliser quand on a commencé à travailler sur la sélection du matériel, c'est le cadre de la littérature pour une mobilisation vers la justice sociale, qui est le cadre littéraire de Botello et Cavaco-Krugman qui existe. Et nous, on a fait un petit ajout. Dans justice sociale, on incluait et environnemental. Donc, ce n'est pas mentionné dans le cadre initial, mais pour nous, ça allait de soi, ça allait main dans la main. Donc, ce cadre-là, en fait, présente des œuvres comme... C'est un cadre métaphorique. Donc, on dit qu'on a des œuvres qui sont miroirs, des œuvres fenêtres et des œuvres portes. Donc, comme la métaphore le montre, l'œuvre miroir, c'est celle qui conforte la personne lectrice dans sa position, dans son expérience personnelle. Ça permet la reconnaissance de son expérience individuelle. Ensuite, on a les œuvres fenêtres qui sont celles qui permettent de s'ouvrir sur le monde, donc de regarder de l'autre côté, d'aller à la rencontre de l'autre, en conscientisant la personne lectrice à la pluralité des réalités, la pluralité des expériences. Et on a ensuite les œuvres portes qui valorisent finalement l'entrée dans l'action. Donc, on va ouvrir la porte, on va s'engager et ça va mobiliser le pouvoir d'agir des personnes lectrices. Le pouvoir de la littérature, c'est que l'œuvre fenêtre pour moi va peut-être être une œuvre miroir pour Alexis. Donc, les perspectives sont différentes et de cette manière-là, on en rend compte, ce qui rend le cadre très intéressant. Oui, ici, c'est, en construction, en réflexion en ce moment, parce qu'en travaillant avec le cadre de Botello et Cavaco-Krugman, on se disait qu'il y a vraiment un écho avec le cadre de Sauvé sur l'éducation relative à l'environnement, comme vraiment des possibilités de faire se rencontrer des cercles. Donc, justement, on a les œuvres miroirs qui sont présentées en symétrie, en face à face avec la sphère du soi-même, les œuvres fenêtres avec la sphère des autres et la sphère des œuvres portes, l'environnement. C'est en construction. On va prendre vos commentaires avec grand plaisir sur cette fusion de cadres-là, mais pour nous, il y avait vraiment comme un dialogue à établir finalement entre ces deux cadres. On revient à notre travail sur le matériel plus précisément. Donc, des œuvres littéraires, il y en a beaucoup. Comment on les sélectionne? Il y a des enjeux qui sont liés à ça. Donc, quand on vient dans, la théorie de la lecture littéraire, on évoque des enjeux de sélection des œuvres qui sont des enjeux passionnels et des enjeux rationnels. Donc, des enjeux liés au cœur, des enjeux liés à la raison. Puis ça se décline en différents critères. Donc, des critères qui vont être liés davantage à l'élève, sont plus de l'ordre du pédagogique. On a des critères qui sont liés à la personne enseignante, qui sont vraiment de l'ordre d'une plus grande subjectivité. Et on a le troisième critère, qui est le critère pragmatique et socio-culturel, qui valorise l'utilisation d'œuvres qui sont reconnues dans la société et qui sont diffusées de façon massive. Pour nous, ce critère-là, présenté par Dupaye et ses collègues, posait un réel problème quand on entrait dans la littérature autochtone. Parce que la diffusion massive de littérature autochtone, on n'est pas là. C'est en émergence, ça foisonne, il y en a de plus en plus, mais on n'est pas du tout dans l'ordre de la diffusion massive. Donc, pour pallier le défi que ça posait, on a utilisé les clés d'analyse qui ont été co-construites par le comité Mohamamou de l'Université de Sherbrooke, co-construites par des personnes chercheuses et par des personnes qui travaillent dans des organisations autochtones en éducation. Donc, justement, le Conseil en éducation des Premières Nations, la Commission scolaire cativique pour la perspective inuite. Donc, on a mobilisé cet outil-là. Vous avez un code QR si ça vous intéresse. Vous pouvez aller le consulter. Et ce que ça a donné, la présentation dans le matériel pour chacune des activités, on présente des tableaux de cette manière-là pour nos propositions littéraires. Donc, vous avez, justement, pour la première activité dont l'activité du poème fait partie, vous avez deux œuvres littéraires inoues, donc un extrait de roman, extrait de Koukoum, vous avez le poème de Joséphine Bacon, dans Nous sommes tous des sauvages, et on a toujours l'album de littérature de jeunesse, ici, Chichietko. Et quand vous cliquez sur les petits signets dans le matériel, tu peux... aller à la diapo suivante, on met le résumé de chacune des œuvres pour que la personne enseignante puisse choisir un peu les activités
qu'elle va faire, puis comment elle va l'immobiliser. Réellement, ce sont les résumés proposés par les maisons d'édition là, qu'on a intégrés ici. Et en travaillant tout ça, il y a un moment où on s'est dit, bon, on fait cette sélection littéraire-là, ça semble être assez décontextualisé dans nos différentes activités. Comment on fait pour faire des liens, pour faire des ponts, des transitions entre toutes ces lectures-là? Et une idée géniale émerge à ce moment-là. Il y a toutes sortes d'œuvres littéraires qui sont présentées à travers le parcours pédagogique, sauf qu'il y a une œuvre qu'on a décidé de mettre de manière centrale, transversale, en fait, pour l'ensemble des activités. C'est celle-ci, 500 ans de résistance autochtone de George Hill, qui est auteur, artiste, militant. Et là, je vous prie de m'excuser, mais de la maximum, Guagua. Je suis désolé, on l'a pratiqué, mais c'est pas mieux. Pour nous, ça donne une vision autochtone qui est unique, mais aussi accessible de ce qu'ont été les mouvements sociaux et environnementaux d'hier et d'aujourd'hui aussi à travers l'ensemble de la colonisation. Et donc, on l'a utilisé à travers ici trois des grands thèmes, des grands axes de notre matériel. Le premier, rapport au territoire et au vivant, généralement, c'était soit pour préparer à suivre les activités ou comme prolongement des activités. On avait différentes œuvres autochtones du début de la colonisation et une définition courte, simple de ce qu'est le colonialisme. Ensuite, pour les luttes féministes et écologistes autochtones, on a un exemple de Island War dans cette BD-là et on a toutes sortes d'exemples qui nous ont permis d'aborder le racisme environnemental à travers l'American Indian Movement, les Wounded Knee, Ganyangé, la Terre du Silex, résistance de Genesaragué, donc la crise d'Oka, crise d'Hyperwash et différents autres exemples. Et donc, on peut poursuivre, mais la manière dont c'est réalisé, c'est qu'on a des formes de petites histoires, souvent c'est à peine deux ou trois pages où on a une lutte qui est présentée de manière synthétique. Et donc, c'est ce que je peux enchaîner. Wow. Ça, je ne veux pas leur prendre trop de dernier temps, mon nom. Les avantages qu'on trouve à ça, c'est que ça nous donne des exemples d'actions éco-citoyennes qui sont à la fois concrètes, mais aussi complexes, qui sont diversifiées, qui sont collectives et mobilisatrices, mais on a des exemples qui sont tout près de chez nous, toutes sortes d'exemples au Canada, au Québec, des exemples plus lointains dans le reste de l'Amérique du Sud, par exemple, des exemples qui sont très rétrogradés, mais des exemples qui remontent au début de la colonisation et l'ensemble de c'est la jeunesse. Et donc, de manière générale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené les personnes apprenantes à confronter d'abord leur positionnement par rapport à une autre perspective, comme un petit peu ce qu'on a commencé à faire maintenant avec l'activité au départ. On allait comparer, donc faire le portrait de l'ultimité, les critères, et finalement, on allait expliquer les techniques qui peuvent expliquer cette distinction-là qu'on observe entre nos perspectives et celles qui sont présentées dans ces histoires-là, et donc d'identifier ce qui est sous-jacent, les implications éco-sociales. Donc, très, très rapidement, mais on en a parlé déjà, il y a une ouverture qui, pour nous, est intéressante au niveau du cours de CCQ pour le dialogue philo, l'éco-citoyenneté, les perspectives autochtones, trois univers qui sont vastes, encore, de sens, plus exploités et qui nous semblent ont une forme de complexité chacune qui peuvent venir mutuellement s'enrichir de manière dynamique, réflexive. Donc, ce que vous venez de voir, c'est la première phase, un peu enrichie déjà, mais la première phase que j'ai parlé tantôt quand on a travaillé les deux dernières années. Et donc, maintenant, on va voir aussi comment on commence à concrétiser, c'est un travail en cours qui commence, à concrétiser les liens avec les disciplines. Si ça vous va, et je propose, et comme on a fini cette première partie, Olivia avait une question, on peut intercaler les questions et on a quand même jusqu'à midi et demi. Et on intercale les questions. Est-ce que ça vous passe? Incluant la discussion. Incluant la discussion, on a jusqu'à midi. Ça vous va? Olivier? Juste pour vérifier, est-ce que ça c'est fait?
C'est bande dessinée-là, est-ce que c'est pour le secondaire et le primaire ou... C'est une bande dessinée qui, dans son entièreté, s'adresse peut-être plus au secondaire, mais il y a vraiment possibilité d'aller extraire des planches puis de les utiliser à différents niveaux. On a quand même des luttes sociales complexes avec des formes de violence qui sont présentées de manière. Mais il y a des formes de complexité qui se prêtent peut-être plus au secondaire dans l'ensemble. Ça va être très utile juste pour s'auto-former comme personne enseignante, parce que c'est, les crises sont bien vulgarisées, puis tout ça, je pense que ça va être un outil précieux pour la personne enseignante. Elle peut peut-être commencer par ça, lire la BD, puis après aller se renseigner davantage sur les crises. Je finis en disant secondaire et au-delà, là, dans le sens où moi, le lire, c'est parfaitement adéquat. Là. Je ne sens pas que je lis quelque chose pour en parler. Il peut mentionner que les travaux qu'on fait actuellement, les mandats spécifique du ministère, c'est de créer, de faire des ponts avec les secondaires. Mais quand même, comme ça avance très bien, le projet, il y en a le temps. Et Alexis est en train de travailler aussi à ce niveau pour créer des ponts avec l'école primaire. Mais ça, c'est comme extra et sans doute, on va pas le développer autant que pour l'école primaire. Mais quand même, on peut commencer à... Est-ce qu'on prend une question, Alexandra? Je me demandais si... Bien, merci d'abord pour la présentation, c'est super enrichissant, puis de voir aussi la suggestion de la BD. On dirait que je résonne beaucoup avec l'idée aussi de présenter des luttes de résistance, puis on sait qu'en philosophie, en ce moment, on a tout un mouvement de philosophes canadiens, surtout du Canada anglais. Je pense à Glenn Coulthard, qui a écrit « Rouge, masque blanc », qui fait vraiment une présentation fascinante. Alfred Tayaki, qui travaille sur l'éthique du courage. Léane Bétassamosaki-Simpson, qui travaille sur le territoire comme pédagogie. Je pense qu'on devrait tous lire son article de 25 pages sur la normativité ancrée territoriale, grosse remise en question du système d'éducation coloniale, etc. Puis tout un aspect aussi de qu'est-ce qu'on a à apprendre comme valeurs et projets éthiques. Au Cégep, on a le cours de philo 102. Alors, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est nous former philosophiquement et pas juste historiquement, tu sais, sur les différents événements qui se sont passés, mais d'avoir des conceptions, puis de vraiment comprendre, puis d'enrichir notre littératie conceptuelle autochtone au niveau épistémologique et au niveau éthique. Tu sais, je pense aussi à Braiding Sweetgrass, qui remettait aussi en question les savoirs occidentaux coloniaux et les savoirs autochtones. Alors, toute cette richesse-là, puis je sais au Cégep, dans le cours de philo 102, qui est probablement le cours qui se prête le plus, le cours être humain, il y a un matériel pédagogique qui a été développé par les collègues du Cégep de Lévis, qui ont eu un financement de développement de matériel pédagogique mission scolaire de Montréal, en lien avec une... Et ils ont développé tout un matériel qui s'appelle Perspective autochtone sur, justement, en collaboration avec Charles Coucou, qui travaille les notions de spiritualité aussi. Alors, je me demandais si dans votre présentation, dans votre programme, vous aviez aussi ce volet-là, tu sais, d'une formation de l'esprit des professeurs qui va au-delà de la présentation juste historique et, en guillemets, victimisante, qui est souvent ce que mes étudiants me disent. Ils me disent « Hey, on n'a jamais pensé de façon, en guillemets, positive, constructive à ces apports-là, plutôt que juste comme l'histoire des traites de fourrure, puis les fourrures contaminées, etc., ou quelque chose de vraiment déprimant, tu sais, alors de montrer en classe Kanasataki, 270 ans de résistance, ou de voir Hélène Gabriel, tu sais, de voir des modèles de résistance et de résurgence. Alors, votre aspect sur le politique est vraiment important, je trouve. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a un volet aussi de tu sais, comme notre formation, plus comme prof aussi à la philosophie. Le mandat du ministère, si je me trompe, Adolphe, tu peux me compléter. Le mandat du ministère, c'était de fournir un matériel aux enseignants pour qu'ils puissent faire vivre des situations d'apprentissage et d'évaluation à leurs élèves. Donc, je pense que le mandat, c'est vraiment plus de créer le matériel. Après ça, il y a toujours la question de la formation, mais ça fait pas partie du mandat. Ça fait partie parce qu'on va créer un guide d'accompagnement. Donc, dans les guides d'accompagnement, c'est là-dedans qu'on va, j'ai nommé création de diffusion, mais de formation. En fait, les articles professionnels sont dans une visée de former. Mm-hmm.
Et il va avoir peut-être un guide formel, mais ça va dépendre si on crée plusieurs articles ou d'autres matériels, pas sous forme de guide, sinon de plusieurs matériels qu'on peut diffuser, dans le sens d'aller former les enseignants et enseignants. Comme, oui, c'est fondamental. On est à l'étape de matériel et on construit tranquillement aussi la formation. On ne va pas arriver à tous les éléments que tu mentionnes, sont super intéressants et je prends note. Et peut-être que je te reviendrai pour discuter, mais on doit aussi former les enseignants et enseignants de chaque discipline. Donc, c'est important que ça résonne pour l'enseignant de sciences, pour l'enseignant d'histoire, pour l'enseignant d'éthique, etc. Donc, ça va être un travail qui va être parfait, évidemment, et tant mieux, mais qu'on essaie que ça forme aussi à ce niveau, évidemment. Parce que des fois, c'est très vague, hein, les perspectives autochtones. Qu'est-ce que c'est? Ou c'est un peu angélique, du genre, ah, ils avaient une connexion vraiment plus proche de la nature, mais c'est de honorer ces perspectives-là comme aussi un grand apport éthique. On l'a pas nommé tout, non, mais à la faculté d'éducation, on a un conseiller en perspective autochtone qui, évidemment, va être interpellé à un moment donné et il va voir réellement aussi, il va voir. Présentation aussi dans les communautés autochtones ou autochtones pour voir comment ça résonne le matériel. Mais juste le fait de partir des perspectives autochtones est déjà un acte politique en soi. Monsieur, c'est en lien avec l'intervention. Oui, c'est en lien avec l'intervention, avec ce que tu viens de dire aussi. Je pose une question naïve, même si je suis pas chercheur, je n'ai pas tout vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une personne autochtone avec vous? Parce que je sais que dans les devis de recherche sur les perspectives autochtones, je ne sais pas de la recherche, je comprends. Il y a une exigence d'avoir des autochtones impliqués dans le projet en termes métaux, en termes... Je ne parle pas d'une conseillère qui est par ailleurs occidentale, là, je sais de qui vous parlez, parce que j'ai l'impression que des fois, on aborde la perspective d'un point de vue occidentalo-centré. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque à cet égard? Comment vous avez tempéré cette chose-là? Mais il y a plusieurs éléments dans ta question que nommer. Je ne sais pas si je vais arriver à nommer toutes. Mais première chose, quand j'ai contacté une équipe d'éthique autochtone, en fait, j'ai rencontré une équipe d'éthique autochtone. Qui sont ses propres comités d'éthique. La réponse, ça a été, il y a plein de matériel, il y a plein de ressources, et c'est ça la consigne générale, allez les utiliser. Et quand vous avez fait quelque chose, revenez si vous voulez. Mais il y a plein de choses, donc on ne peut pas répondre à tout ce que vous faites, et c'est déjà important que vous preniez l'avance en utilisant ce que créez. Nous, on va chercher la littérature autochtone quand même à travers Cara, qui est une spécialiste, son doctorat porte sur la littérature autochtone, et on répond à cette demande des communautés autochtones de venir pour nous interpeller, pour nous demander des choses qui sont déjà disponibles comme la littérature autochtone. Utilisez-le. Donc ça, c'est un premier élément fondamental. Deuxième élément, on a un conseiller autochtone à la faculté d'éducation qui n'est pas autochtone, mais qui a été, en fait, avant, on a ouvert les postes. Et les communautés autochtones ont sélectionné cette personne pour le comité. Donc, a été reconnue par la communauté comme personne, la meilleure personne pour faire ce rôle à la faculté. Donc, ça passe par la reconnaissance de la communauté, cette nomination. Elle ne savait pas présenter au poste, en fait. Et troisième élément, c'est un projet de création de matériel de formation ou de recherche en soi. Donc, on n'a pas besoin de passer par les comités occidentaux. Et le quatrième élément, c'est que Alexis et sa recherche qui est en recherche et qui a passé tous les filtres de la recherche autochtone
et porte ce mouvement social autochtone. Et pourtant, il est en contact, c'est une recherche collaborative où, quand même, une grande partie de la recherche se soutient sur son travail de maîtrise, qui est sur le point d'être déposé, et qui a passé tous les filtres aussi des communautés autochtones, des comités éthiques et des comités à l'université. Je ne sais pas si ça répond, mais. C'est très pertinent comme question et ça nous permet aussi de parler des aspects éthiques de la recherche fondamentale et qu'on essaie, on respecte profondément comme façon de respect aussi pour. Oui, ben en fait, c'est ma réflexion que j'ai, mais je vois déjà des liens en fait dans les autres interventions, on les a sentis aussi, mais ça serait peut-être de clarifier l'image que vous voyez entre éducation au changement climatique. OK, c'est ça qui s'en vient? Oui. Présenter comment on a arrimé le matériel aux matières. Fait qu'on voulait vous présenter deux exemples concrets de, en sciences techno, comment ça a été arrimé, puis dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. Peut-être que ça peut répondre. Probablement, sinon je reposerai ma question. Je vais aller avec Mais comme Adolphe l'a mentionné, là, on est vraiment dans la deuxième partie du mandat qui est vraiment de créer du matériel clé en main et évidemment adaptable, mais clé en main pour que les personnes enseignantes puissent l'utiliser tel qu'elle. Fait que le but, c'est vraiment pas de racheter une charge de travail, c'est vraiment pas d'aller ailleurs là, dans des nouveaux concepts. C'est vraiment de respecter le plus possible au concept de la progression des apprentissages pour vraiment. Pour que ça permette, dans le fond, aux élèves de vivre des activités avec des concepts qu'ils auraient vus de toute façon. En fait. Fait que c'est vraiment là l'objectif. C'est super, c'est vraiment en construction. Il n'y a rien de final. Là. Mais pour ce qui en est des sciences et technologies, dans le fond, je vais juste vous expliquer un peu la démarche que j'ai faite jusqu'à maintenant. On a 5 personnes qui sont en sciences et technologies, dont il y en a qui enseignent. Donc, c'était un peu des suggestions, des activités, soit qu'elles font déjà. puis là, c'est un peu d'aller. Donc, je ne vais pas parler vraiment du programme des sciences et technologies, là, mais l'objectif, c'était aussi que la séquence permette, évidemment, d'évaluer les élèves, donc d'aller intégrer les compétences de sciences et technologies. Donc, soit de chercher des réponses, des solutions à des problèmes, de mettre à profit, dans le fond, les élèves sont aptes à mettre à profit leurs connaissances, dépendamment de ce qu'ils ont appris, les concepts vraiment connaissances, des savoirs, d'être capable de les transposer dans d'autres situations, puis de les mettre, puis évidemment, de communiquer en utilisant les langages scientifiques. Ça permettait vraiment de créer un guide, si on veut, qui explique c'est quoi les compétences qui peuvent être évalué grâce à ces activités-là, c'est quoi les concepts abordés. Puis, voilà. En regardant juste, moi, je suis vraiment arrivée à la phase de deuxième mandat, donc, je vous explique un peu ce processus-là d'appropriation du matériel transdisciplinaire. Pour moi, c'était vraiment de créer des liens. Ça, c'est le matériel qui est créé, qui est transdisciplinaire. Ça ne veut pas dire que ça se transpose tout directement les activités là, en sciences et technologies, que ce soit par l'intérêt des personnes enseignantes que j'ai consultées ou par les concepts. Et donc, juste le concept de, avec le problème trouvé tout à l'heure, on parlait plus de territoire. Le mot territoire apparaît pas comme ça dans la raison des enfants. Donc, ça allait devoir un peu de faire le bon en. Il y avait déjà beaucoup de concepts en lien avec l'environnement qui se retrouvent dans la progression, donc de sortir un peu ces concepts-là. Mais pour aller faire des liens, dans le fond, avec le plan transdisciplinaire. Donc, comme je disais, c'était vraiment d'aller comparer les ateliers transdisciplinaires avec les concepts de la progression de sciences. Puis ensuite, on a créé, dans le fond, des gabarits de situations d'apprentissage et d'évaluation, donc qui comprenaient c'est quoi les concepts abordés, c'est quoi les compétences qui peuvent être évaluées, c'est quoi les compétences transversales aussi que ça permet de développer chez les élèves.
Puis ensuite, là, vraiment la séquence avec le temps accordé à chaque activité, rôle de l'enseignant, rôle de l'élève. Donc, l'objectif, c'était vraiment que c'est clair, même pour que l'enseignant sache, OK, ben, si je fais tel atelier, ça me prendrait environ 40 minutes en général. Donc, c'est vraiment de que ce soit le plus simple possible à intégrer. Éventuellement, il va aussi y avoir des documents reproductibles qui vont être attachés à ces activités-là proposées. Donc, que ce soit pour partager de façon électronique aux élèves, donc des cahiers de l'élève, des cahiers de l'enseignant, tout ça, qui sont en création. Là, il n'y a rien de ça de fait. Pour le temps, je vais vous expliquer un peu. Donc, par exemple, le premier atelier. Donc, à la suite du poème troué, en fait, il y avait une présentation d'une bande-annonce, d'un documentaire. Oui, exactement. Donc, je m'appelle Humain, qui était présenté aux élèves. Comment ça a été fait, la transition, si on veut, vers science et technologie, c'est de garder un peu les mêmes activités d'amorce. Fait que ça permet d'avoir une amorce qui est vraiment plus transdisciplinaire, puis ensuite, on intègre vraiment des concepts liés propres à la discipline. Donc, une fois qu'il y avait cette amorce-là de fait, je suis humain, donc c'est pas la place un peu de l'humain dans son environnement, mais l'atelier était, était vraiment relié au rapport au monde naturel et au territoire. C'est tantôt que le territoire apparaît pas tel quel dans le niche écologique au premier cycle, donc première secondaire, qui est vraiment transposable au territoire. Ça, je vais expliquer. Donc, encore une fois, les enseignes, les discussions données, donc qu'est-ce qu'un habitat? Ben, c'était vraiment pour aller rechercher un peu le concept habitat qui doit être connu, si on veut, donc le savoir. C'est un peu qu'est-ce qui compose l'habitat d'un être vivant. Donc là, c'est d'amener l'élève donc à se questionner quoi compose mon habitat. Mais c'est d'aller faire ressortir un peu chez les élèves qui évidemment, on n'a pas tous le même habitat, dépendamment de chaque humain ou dépendamment des autres êtres vivants. C'est d'aller un peu faire des activités avec eux, donc d'écrire une carte conceptuelle vraiment en classe sur qu'est-ce qui compose leur habitat, que ce soit en fait sans donner seulement de consignes que c'est en lien avec l'humain, pour justement qu'ils aillent chercher des notions puis créer des liens avec les autres habitants. Par la suite, l'activité proposée, c'était donc de maintenant un peu de faire un retour en groupe, évidemment, puis ensuite d'aller sélectionner. Donc, chaque élève choisit vraiment un animal de son choix pour effectuer une autre recherche, c'est pas les composantes de l'habitat de mon animal, pour ensuite aller créer des liens avec l'habitat de l'être humain. Et comprendre un peu que, bien évidemment, l'être humain a un impact sur l'habitat des animaux, des autres êtres vivants, et ainsi de suite. Puis, à la fin de chaque séquence, évidemment, il y a un moment de réflexion, de retour pour soi amener donc, à l'atelier 2. Là, dans ce cas-ci, c'était une réflexion sur l'impact de l'être humain sur l'habitat des animaux pour vraiment amener, dans le fond, la deuxième séquence d'atelier qui abordait justement les aspects de déforestation, qui amenait les aspects d'utilisation des ressources, et ainsi de suite. C'est un peu le. Comment ça a été fait pour sciences et technologies. Rebecca, elle est aussi enseignante en sciences, donc on comprend. Moi, je suis enseignante en CCQ, éthique et culture jeunesse et CCQ, donc on comprend bien les enjeux sur les jeunes. Donc, les visées du programme CCQ, il y en a trois. Préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, c'est la nouvelle finalité, ben, c'est une nouvelle finalité, c'est une troisième qui est ajoutée parce qu'avant, il y avait déjà les deux autres qui étaient visées la reconnaissance de soi et de l'autre et poursuivre le bien commun. Dans le programme, on spécifie que c'est par la pensée critique et le dialogue qu'on va en arriver à ces finalités-là. On les a présentées hier là, avec Mathieu là, à l'aide des schémas. Donc, je vais passer vite là-dessus. Il y a deux compétences dans le programme CCQ. Au primaire, la compétence, il y a un résultat qui est entré au bulletin. Donc, il y a comme une compétence qui est évaluée, qui est d'explorer, examiner et réfléchir de manière critique sur des réalités culturelles. Et au secondaire, là, ça se divise vraiment en deux compétences
selon les deux fondements. La première compétence qui est d'étudier des réalités culturelles, c'est le fondement sociologie. Puis la deuxième compétence qui est réfléchir sur des questions éthiques, qui est le fondement philo et plus précisément la branche éthique. Puis vous avez en dessous les objectifs pour les différentes compétences. Au primaire, ce qu'on retrouve dans le programme, les concepts qui sont déjà là, c'est rapport aux autres êtres vivants, leurs besoins, leur rôle, les milieux de vie. Donc, encore là, dans le programme CCQ, on ne parle pas de territoire, on parle de milieu de vie. Donc, c'est déjà là qu'il faut adapter dans nos, en classe. Donc, la relation, la manière d'habiter, la consommation, la pratique écologique. Et il y a le concept aussi de transition écologique, donc les choix collectifs et les mouvements environnementaux. Au secondaire, il y a différents concepts aussi qui sont prescrits, l'éco-responsabilité, l'interdépendance, les pratiques de bienveillance comme l'écologisme, les technologies environnementales, le mouvement social et le changement social, les idéologies, dont l'écologisme aussi qui peut être traité. Ce que j'ai fait, bien, j'ai fait la même démarche que Rebecca, on s'est entendu sur la même démarche. Donc, j'ai été voir ce qui était proposé dans les ateliers transdisciplinaires, puis j'ai essayé de voir comment je pouvais transposer ça au programme CCQ. Donc, par exemple, l'atelier 1 du matériel transdisciplinaire peut être utilisé en CCQ pour traiter les deux concepts que vous voyez qui sont l'interdépendance et l'écosystème. Donc, ça peut nous permettre d'aller travailler ces concepts-là. Je vais vous montrer l'exemple d'une séquence de cours pour travailler ces deux concepts-là. Donc, la première activité, ça pourrait être un jeu d'introduction. Donc, on pourrait, j'ai donné un nom là, fictif qui n'est pas en réalité. C'est pour les survivalistes, ça. Oui, c'est ça. Survivants des bois Québec. Donc, en équipe, vous identifiez que... Vous imaginez que vous êtes dans une télé-réalité et là, vous pouvez, chaque membre de votre équipe peut amener une personnalité québécoise différente, donc donner les raisons qui supportent votre choix, pourquoi vous apporteriez telle personnalité. Bon, est-ce que c'est en lien avec ses compétences, ses talents, son utilité? Je ne dis pas, moi, parce que ça vous fait rire, ça va vous changer les idées ou parce qu'elle est bonne pour construire des trucs. Ça pourrait être l'amorce. Ensuite de ça, il pourrait avoir un plan de discussion qui est plus philo, comme on pratique avec la pratique de la philo pour enfants, qui pourrait traiter de l'interdépendance générationnelle. Donc, on pourrait commencer par ça pour aller vers l'interdépendance avec les autres humains. Donc, les questions, ça peut être, bien, on se demande, est-ce que le bébé est dépendant de sa mère? Est-ce que l'enfant est dépendant de son père? L'adolescent, lui, est-ce qu'il est dépendant de ses amis? L'adulte, est-il dépendant des autres adultes? La personne âgée, est-ce qu'elle est dépendante d'une autre personne? Puis, ceux qui animent en philo pour enfants, bien, on peut partir de ces questions-là pour travailler les habiletés avec les gens. Ensuite de ça, on pourrait écouter la bande-annonce du documentaire « Je m'appelle l'humain » qui est dans le matériel transdisciplinaire. On pourrait demander aux élèves de décrire la relation qu'ils observent entre la personne âgée et l'adolescent dans le documentaire. Est-ce qu'ils semblent être dépendants l'un de l'autre? Oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On pourrait aussi décrire la relation entre les êtres humains et la nature dans le documentaire. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'ils sont présentés comme étant dépendants l'un de l'autre? Et sur quel indice on se base pour fonder nos propos? Donc, est-ce que c'est l'image, la parole, la musique qui nous donne des indices de leur relation? Après ça, on pourrait continuer avec une activité 4 qui serait de compléter le poème « Troué » que vous avez fait tantôt. Donc là, on complète, on partage, on fait le retour en grande groupe. On peut se demander pourquoi Joséphine, est-ce qu'elle a écrit les mêmes mots que vous? Est-ce que vos mots sont en lien avec la nature? Donc, c'est ce que vous avez fait tantôt. Et on pourrait aller vers un autre plan de discussion. Donc là, on retomberait en dialogue philo. On s'étonne sur la relation à la nature. Donc, est-ce que le rapport, la relation d'être humain au territoire et au vivant, à tout ce qui vit, a changé avec le temps? Si comment et sinon pourquoi? Donc, on laisse place aux deux positions possibles. Puis évidemment, on ne prend pas ça comme un faux dilemme. Là. Ça peut être un oui et non, ni oui ni non. Puis on va aller identifier les causes et les conséquences à travers le temps. Après ça, on pourrait aller vers l'activité 6, qui est déjà proposée dans le matériel transdisciplinaire, qui est de créer un sac à souvenirs à la manière de Chichi Edco.
Donc, chaque personne devra choisir quatre éléments en lien avec le monde naturel qui ont un sens pour elle. Donc là, évidemment, ça sera accompagné par des fiches reproductibles pour les élèves. Il pourrait aussi les dessiner simplement dans le sac. Donc, par exemple, moi, je prends la fiole de la rivière proche de chez moi, la feuille de l'érable qui est un arbre que j'ai dans ma cour. Je prends la plume d'un cardinal parce que c'est un oiseau que j'observe. J'observe souvent et je ne sais pas, la roche du sentier que je prends pour aller vers l'école. Oui. En seconde, pour juste dire c'est quoi du chèteau. Ah oui. Oui. Oui, tu peux l'expliquer là. OK, parfait. Chichietko, en fait, c'est un album de littérature de jeunesse qui présente une perspective vraiment intéressante. C'est l'autrice Nicolas E. Campbell. En fait, c'est l'histoire de Chichietko, qui est une jeune fille qui, dans 4 jours, si ma mémoire est bonne, va partir au pensionnat. Donc, pendant toute l'histoire, on est avant son départ et elle me dit, dans le fond, « Ah, quand je vais être partie, je vais m'ennuyer d'aller à la bière avec mon père. Je vais m'ennuyer de rire avec ma mère en cueillant des fruits, par exemple. » Et l'album se termine au moment où on vient la chercher pour les pensionnats. Donc, on est vraiment dans de la contemplation, de la nostalgie, d'émotions magnifiques. Puis, dans cet album-là, justement, elle va se créer un petit sac à souvenirs qu'elle va vouloir amener finalement au pensionnat. Donc, l'activité est inspirée de cette scène particulière-là de l'album. Puis là où on trouvait que le dialogue pouvait s'installer, c'est au moment où on demande à chaque équipe de concevoir un sac commun. Donc, une fois qu'ils ont créé un sac individuel, de créer un sac en équipe. Donc, ce serait quoi le sac à souvenirs pour les adolescents du Québec? C'est de quel élément devrait-il se souvenir? Pourquoi donner des raisons? Donc, là, on tombe un peu là-dessus. Puis l'activité 7, ça pourrait être, par exemple, par l'exercice du carré d'influence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est comme un petit carré dans un plus grand, plus grand, plus grand. Puis on va venir positionner sur le carré d'influence. Ça pourrait être, par exemple, en fonction de l'âge. Donc, le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Le centre, le carré qui est plus au centre, c'est là où on a le plus d'influence, où on sent qu'on est une personne qui peut vraiment influencer les autres. Donc, on viendrait placer où se situe le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. Est-ce qu'ils ont la même influence envers les écosystèmes? Donc, au centre, on a l'écosystème. Bien, les personnes qui sont plus près du centre, c'est celles qui ont plus d'influence, puis on recule comme ça dans le carré. L'élève, l'enseignant, l'avocat, le garagiste, l'actrice, il se situerait où dans les carrés d'influence? Le non-citoyen, le citoyen, le député, le ministre, on le situerait où dans le carré d'influence? Donc, ça serait un exercice complet pour voir, pour traiter du concept d'écosystème. Puis, là, je pense que je finissais avec l'activité mobile. Ça peut être la création d'une création individuelle ou collective. Ça peut être de créer une BD, un collage, un poème, un dessin, une chanson traitant de la relation entre l'être humain et la nature, puis on a dans le DVD des fiches d'évaluation pour pouvoir évaluer ce genre de création-là. Donc, c'est juste pour vous montrer une séquence de cours où on utilise le matériel transdisciplinaire, mais pour l'appliquer dans le cadre du cours CCQ. Voilà, c'était rapide, hein? J'ai parlé un peu vite, sûrement. Désolée. Ouais. OK. Il y a des questions, des commentaires, des questions. Jacinthe. Juste une petite question en lien avec un des exercices de Chichietko, justement. Si j'ai bien compris, c'était de faire un sac à partir de 4 éléments du monde naturel, c'est ça? Je me suis demandé, est-ce que vous avez pensé leur demander de faire un sac à partir des éléments qui font sens pour elles? Comme dans l'histoire, pour elles, c'est ça qui fait sens. Pour les élèves, est-ce que ça serait nécessairement 4 éléments du monde naturel qui amèneraient dans leur sac? J'ai comme l'impression que les deux exercices étaient intéressants en parallèle. C'est un lien avec, tu sais, comme une... Mais... Il y avait un lien à faire, tu sais, ben, comme dans la séquence transdisciplinaire, vous avez expliqué comme est-ce que c'est lié à un souvenir, est-ce que c'est lié à ça, est-ce que c'est comme pour un peu les choses. Qui est comme plus proche de leur vécu, de leur attachement, puis ils voient, OK, en tout cas, c'était juste ça. Moi, c'est un point de vue très personnel, mais moi, j'aime beaucoup les forcer à
des fois dans des situations inconfortables. Donc, pour moi, je trouvais ça intéressant d'efforcer à prendre 4 éléments de la nature parce que, par exemple, tout ça, ça peut être, c'est un présupposé que j'ai, là, mais ça peut être peut-être difficile d'avoir autant accès à la nature. Fait que toi, quand tu rentres vers l'école, est-ce que tu as accès au gazon, à la petite roche qui est sur le côté? Ou donc, peut-être de comparer aussi les accès aussi. De parler de ça dans le... Mais effectivement, je trouvais ça super intéressant, cet aspect-là aussi, mais je trouvais que les deux en parallèle pouvaient être intéressants aussi pour faire, c'est quoi mon lien au naturel, à quel point ça a été plus difficile versus qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans mon identité. Il y en a qui se recoupent aussi. Qui est un peu traité de... À ce niveau-là, dans le poème, trouver déjà de voir est-ce que spontanément, ce qu'ils vont nous sortir, c'est plus en lien avec le milieu naturel ou pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a déjà une partie de ce questionnement-là qui est abordée un peu plus tôt. Puis après, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, je trouve, à contraindre, en quelque part. C'est pour ça, à trouver des rapports ou des voies qu'on a pour ceux qui, peut-être, d'emblée, n'ont pas quelque chose de facile dans l'exercice-là, de trouver quelque chose qu'on peut. Dans le matériel transdisciplinaire, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, qui est suggéré, c'est de, quand il y a la mise en commun, c'est de faire une catégorisation. Fait que de dire, est-ce qu'on a plus d'éléments, mettons, se rapportant aux animaux qu'à la faune, mettons, à tout ce qui est marin ou eau versus qui est terre versus... Puis là, d'avoir cette discussion-là de, OK, bien, tout le monde a mis une feuille, mais personne n'a mis... je sais pas. Voilà. Il y a ça aussi dans le matériel qui est super intéressant, mais je ne l'ai pas retenu. Mais ça, voilà. Je sais qu'il y a des questions ici, mais j'aimerais donner la parole aux personnes à distance. On sait que vous avez un chat très actif aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous partager, Martha ou une autre personne, un élément ou un résumé de ce que vous avez discuté en ligne ou un élément personnel ou quelque chose, Martha? Oui, bon, merci beaucoup parce que j'apprends beaucoup de vous. Là. Je suis vraiment très heureuse d'avoir les liens qui passent. Je sauvegarde beaucoup de liens de matériaux. Mais il y a deux discussions, il me paraît, qui sont dans le chat, qui étaient en parallèle, deux grandes discussions. C'est les poèmes « Ma maison, mon canot, mon feu, etc. etc. » Ces poèmes-là qu'on se disait que le rapport à la richesse, et même pour contrer un peu l'idée du capitalisme, que notre richesse sont des choses qui ne sont pas en lien nécessairement avec l'argent directement. Donc, ça a fait jaser un peu dans les chats cette histoire-là. Et l'autre chose, c'est justement... qui se dit autochtone ou non, les premiers peuples, quel rôle ils pourraient jouer dans un projet quand on les inclut dans un projet comme ça. Puis en même temps, il y a des personnes qui ont des racines dans leur descendance des premiers peuples, mais qui ne s'affichent pas comme premiers peuples. Parce qu'il y a la peur de la stigmatisation. Et en même temps, il y a notre collègue Samuel, il pourrait en parler un peu plus, que quand ils vont répondre que non, ils ne veulent pas participer, parce que qui suis-je pour participer? Comme s'ils ne seraient pas reconnus s'ils entrent dans un projet comme ça. Puis ça me fait penser que peut-être c'est la manière d'aborder ou la manière de leur donner raison ou pas, là, s'ils nous proposent des choses qui ne nous conviennent pas dans un projet. Donc, je pense que de se sentir à l'aise et aussi d'accueillir leurs idées, peut-être ça pourrait être une façon de ne pas les exclure, puis de les faire sentir vraiment participants, que leurs idées comptent. Mais ce n'est pas évident, là. Je pense que les premiers peuples en tant que tels, les gens qui s'affichent comme autochtones, ils ne sont pas vraiment très représentatifs dans les universités en général. Peut-être que l'accès n'est pas facile aux études. Donc, c'est un peu ça, là, les deux grands sujets dans le chat, mais les collègues pourront compléter. Merci.
Merci, Martha. Un autre? Samuel, ce serait fun de voir ce que... Samuel, Marie-Carmen. Bonjour à tous. Je suis ingénieur civil, et ma formation, c'est plus technicien, mais la présentation, c'est vraiment beau. Et j'ai regardé une nouvelle vision pour connaître qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques. Pour moi, c'est très intéressant. Mais aussi, je voudrais faire la diffusion, par exemple, en espagnol. J'ai travaillé à l'Université de Veracruz du Mexique, mais je pense que ce matériel peut être utilisé pour faire la diffusion en espagnol. Parce que c'est un matériel très, très intéressant. C'est une nouvelle vision pour évaluer qu'est-ce qui se passe sur les aspects du changement climatique. Mais aussi, félicitations, Adolfo, félicitations à ton équipe, parce que c'est une nouvelle vision pour évaluer, pour réévaluer qu'est-ce qui se passe sur les aspects, sur les changements climatiques. Mais aussi, une nouvelle conception et une nouvelle approche sur la nature, sur les aspects de l'environnement. Mais aussi, je suis vraiment, vraiment merveilleux. Je ne sais pas si c'est le correct mot. Merveilleux. Merveilleux, exactement. Et sur les matériaux, félicitations, félicitations. Je suis vraiment content pour écouter toutes les présentations pour évaluer qu'est-ce qui se passe. Par exemple, comme l'introduction des poèmes pour voir quelle est la relation entre nous et l'environnement? C'est très, très, très spécial. Merci beaucoup. Et je pense si tu voudrais dire quelque chose. Merci, Rabir. Félicitations, merci beaucoup. On va donner la parole ici à la salle. Je ne sais pas s'il y avait d'autres mains. Je vois Charles-Antoine et on revient à toi, Samuel, après. Merci beaucoup pour la présentation. Honnêtement, c'est un travail titanesque, je pense, qui est là-dessus. Là, je veux dire, ça, c'était depuis 2023 ou ça a fini la première phase en 2023, puis après ça se poursuit. Je pense vraiment que c'est des super bits de. Super belle piste de réflexion. Cela dit, je trouve que les questions par rapport aux épistémologies autochtones, aux pédagogies autochtones, je trouve que, ben, on pourrait peut-être en tirer profit un peu plus. Je trouve qu'il y a comme. Puis encore là, je n'ai pas vu le matériel complètement, mais ma préoccupation, c'est est-ce qu'on est en train d'essayer d'adapter les pédagogies autochtones à l'école ou est-ce qu'on est en train de réfléchir à comment je peux adapter l'école aux pédagogies autochtones en quelque part. Puis, encore une fois, peut-être les deux sont impossibles, mais quand je vous écoutais des fois, je me suis dit, il me semble que là, on passe de territoire à habitat, puis je comprends qu'il faut le faire, mais territoire, c'est pas tout à fait la même chose qu'habitat, puis c'est pas tout à fait la même chose que milieu de vie. Les pédagogies autochtones, beaucoup plus expérientielles, oui. Ça, je veux dire, tu peux-tu préciser pédagogie autochtone? Pédagogie autochtone, ben, encore une fois, je suis vraiment pas un expert dans les pédagogies autochtones. Puis les épistémologies autochtones, quand je l'aborde en classe, ben, j'y vais, tu sais, là où je me sens à l'aise. Mais par exemple, pédagogie autochtone, on va mettre l'accent sur l'expérientiel, sur le relationnel, beaucoup. Puis je trouve que la dernière activité, ben là, on allait dans quelque chose comme celle-là. Puis je vais revenir à la dernière activité parce que j'ai une petite préoccupation avec celle-là aussi. Alors que les épistémologies autochtones, il y a un travail qui a été fait par l'Ordre des enseignants de l'Ontario, je pense, sur l'enseignement de la langue ojibwé. Puis c'est uniquement pour l'enseignement de la langue ojibwé, mais ils placent, dans le fond, certains éléments par rapport aux épistémologies autochtones. Moi, je l'utilise en salle de classe avec mes futures enseignantes. Puis c'est intéressant parce que c'est de voir le savoir, non pas comme quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on acquiert, ou même quelque chose qu'on développe, mais quelque chose avec lequel on entre en relation, qu'on transforme et qui nous transforme, qui appartient dans le fond à la communauté, au même titre que le reste de l'environnement. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est très riche par rapport à ça. Fait que là, je me demandais peut-être que dans une introduction ou dans le guide, peut-être faire une petite mise, en tout cas, juste faire une mise en bouche par rapport à ça. Il y a ça aussi, si vous pouvez aller jusque-là si ça vous tente, puis voici comment le faire. J'aimais bien aussi, puis là je pense c'est ça, il y a comme des contradictions entre hein, le CCQ où on a culture et citoyenneté québécoise qu'on développe et qu'on exerce à travers le dialogue et j'oublie c'était quoi la pensée critique. La pensée critique et le dialogue. Bon, ben justement, l'ouvrage que tu citais là, sur la bande dessinée sur 500 ans de résistance, ben, il n'y a pas juste du dialogue là-dedans. Est-ce qu'on le dévalorise pour autant? C'est quand même des luttes très porteuses.
Par ailleurs, ben, c'est une unité québécoise. Ben, un, j'ai la difficulté avec le singulier, puis deux, même avec le concept, mais ça, c'est une autre histoire. Pas toutes les communautés autochtones qui s'identifient comme québécois ou même comme citoyens du Canada. Puis je pense qu'il faut respecter ça. Puis je termine avec la petite activité pour l'activité sac à dos que j'ai trouvé super intéressante. Mais moi, je n'avais pas lu l'ouvrage, puis quand je l'ai expliqué, j'ai fait « Oh, quand même, elle se prépare pour aller au pensionnat, elle se prépare pour aller à l'école résidentielle. » c'est un peu comme si je préparais mon sac à dos pour aller en prison. J'ai comme un petit malaise où je me dis, s'il y avait un élève autochtone tous les jours. J'avais un autre exemple en tête, Mathieu, je vous l'ai épargné. Mais voilà, mais il y en a pas moins que je me dis, s'il y avait un élève autochtone dans la salle de classe, dont les parents ou les grands-parents ont vécu ça, peut-être que ça ferait une petite zone où il faudrait être sensible dans le fond. Puis être, encore une fois, j'ai aucune idée là, si mais, c'est une chose réelle, mais j'aurais cette idée. C'est un album qui a été créé par un autochtone. Oui, mais c'est pas somme des. Oui, mais de raconter l'histoire. Oui, mais essentiellement, pour ceux qui lisent, savent que c'est ça qui se passe en classe. À mon sens, il ne faudrait pas occulter ça, à savoir qu'elle s'en va là. Et à, quand on va en revenir, ben, mais bon. S'émanciper. De toute façon, je le sais. Oui, justement. Mais oui, avant de donner la parole à Samuel et à Samuel. Mais honnêtement, encore une fois, je tiens à souligner à quel point j'ai. Mais sont tous des éléments qu'on prend en considération, que ça fait partie de l'étape finale, que c'est la création de. Guide. Donc, on a juste décidé pour l'instant qu'ils vont partir à partir de, ouais. Surtout à partir de la mise en pratique, comme on le fait aujourd'hui. Donc, merci pour toutes les mains, parce que c'est ça qui nous aide à dire, OK, on va essayer d'aller le plus loin possible. Il faut distinguer une chose, je ne sais pas si c'est nécessaire ou non, mais ce n'est pas un matériel pour enseigner nécessairement dans les communautés autochtones, etc. Mais, par contre, peut-être qu'à un moment donné, justement, on peut aller à un comité maintenant d'éthique. On a créé ça pour les écoles autochtones. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec ça? Et ça, ça peut être une autre étape. Et peut-être que ce n'est pas moi qui va le faire. Mais c'est un peu la logique de quand on va consulter les communautés autochtones. Je me suis dit, bon, on va créer quelque chose. Et c'est dans un principe très simple à la fin. Au lieu d'aller chercher la littérature qui est dans toutes les classes du Québec, on va aller chercher une littérature qui est moins présente. Et peut-être que l'étape finale, ça va être qu'il va y avoir plus que la littérature autochtone, hein? Idéalement, je pense. Mais on veut absolument qu'elle soit représentée parce qu'ils sont plus invisibles. Juste ça, c'est le point de départ, et après, on verra. J'ai envie de rajouter à ce que tu dis aussi, tu sais, on n'est pas en communauté autochtone, il ne faut pas oublier que l'inconfort d'inclure les perspectives autochtones, il est documenté, il est très présent pour les personnes enseignantes qui ne sont pas autochtones. Donc, il y a quelque chose aussi dans comment on peut parler d'invisibilisation, mais comment on peut commencer à faire entrer les voix des premiers peuples dans les classes, puis ça va passer en cours par la détention. Donc, cet inconfort-là, pour le considérer aussi. Je termine juste rapidement. J'avais une série récemment, puis il y avait un genre de reconnaissance du territoire. Là, puis c'est un autochtone qui faisait la reconnaissance du territoire. C'est une série humoristique, mais je ne vous souhaite pas la bienvenue chez nous. J'espère que vous allez tous partir. Puis c'est, là, on était confrontés. Mais bon, excuse-moi, je t'en ai. Je pense que tu me dois sur une question qui est sensible. C'est d'ailleurs ça qui a été choisi pour l'école d'été du collectif, là, qui peut-on parler de tout? Puis, c'est vraiment une question qui est sensible, qui est très polarisée. Tu sais, même en philo pour enfants, il y en a qui vont dire, ben non, on n'aborde pas les sujets sensibles ou les thèmes sensibles, on les évite. Puis, comme chez les enseignants, puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, il faut les aborder, il faut les traiter, il faut prendre le temps d'en parler. Fait que c'est comme assez. Ça met le doigt. Samuel. Oui. Ouais, je ne sais même plus. Comment dire, on a dit beaucoup de choses. Moi, tout ce que je voulais mentionner, c'est juste un commentaire. Je trouve que le projet est hyper enthousiasmant. Comment dire? Moi, c'est ça me donne juste le goût d'y participer. J'aurais adoré ça. Parce que moi-même, c'est un projet que je caressais depuis longtemps. J'en ai parlé, j'avais écrit par courriel lors du dernier projet de livre qu'on parle pour les presses
à l'Ulaval, parce que moi-même, je suis autochtone, puis avec la FIO pour enfants, j'ai vu tellement de liens, non pas dans les principes épistémologiques, au niveau de la, mais vraiment au niveau des valeurs, tu sais, au niveau de l'importance du cercle, du dialogue, de la parole, de l'écoute. Donc, pour moi, ça avait toujours été quelque chose que je voulais lier. Mais même si je suis autochtone, ça, là, c'est les commentaires que je faisais dans la discussion, c'est que même en tant qu'autochtone, c'est toujours difficile de se dire, moi, je représente les autochtones ou j'ai cette perspective-là. Au contraire, à cause du génocide culturel, la tentative de génocide culturel qu'il y a eu, les jeunes universitaires comme moi, on est dans une période de réappropriation culturelle. Puis ça, c'est la difficulté, justement, de se dire, moi, j'ai cette perspective-là. Au contraire, on n'a pas eu les histoires. Moi, mes grands-parents sont morts quand j'étais tout jeune. J'ai pas eu ça. Puis même ceux qu'ils ont eu, les grands-parents, souvent, n'en parlaient pas. Donc, fait que moi-même, ce projet-là que je caressais, je me suis dit, si je veux le mener à bien, bien il faut que je retourne, il faut que j'aille faire du terrain, puis il faut que j'aille parler. Donc, c'est très difficile. Si je peux participer, tant mieux. Puis sinon, ça va être de faire des liens, d'être des intermédiaires, hein, de s'assurer que tout le monde est en cercle. Bref, un commentaire général, peut-être sans point de vue, sinon de partager le fait que c'est difficile, mais l'important, c'est, je pense que c'est de la volonté d'inclusion. Je pense que c'est ça qui est le plus important et que les gens doivent retenir. Puis que si jamais que vous trouvez que la perspective, elle n'est pas, qu'une personne dit quelque chose puis que vous n'êtes pas d'accord, dites-vous que la personne, au moins, elle essaye d'amener quelque chose. Elle se présente puis elle ose. Parce que ça, je pense que c'est ça qui est difficile pour certains Autochtones, c'est que personne ne le fait parce qu'on se dit qu'on n'est pas la personne idéale pour représenter notre communauté. Mais si personne ne le fait, la perspective, elle n'est pas partagée. Donc, peut-être qu'au pire aller, ce ne sera pas complètement représentatif, mais au moins, il y a des personnes qui essayent de faire le petit pas pour que les autres puissent les suivre. C'est très difficile. Puis, excusez, il y a plein de choses qui me... Ouais, c'est ça, excusez, c'est l'émotion. Mais voilà, merci beaucoup tout de même d'avoir lancé ce projet-là. Merci Samuel. Sabrina. C'est pour parler du malaise que vous évoquiez. Je crois que le malaise peut quand même être une émotion des fois qui est pertinente parce que cette émotion-là, des fois, ça permet une ouverture aux autres, puis aussi que ça ancre le moment partagé. Puis que ça permet des discussions, des fois qu'on ne se serait pas attendu. Vous parliez d'un malaise, mais là, tu sais, c'est des personnes autochtones. J'ai vécu cette expérience-là quand j'étais en sixième année où chez nous, c'était très tabou. Donc, en sixième année, à un moment donné, l'enseignante présente un livre où ça aborde les pensionnats. Puis on discutait, puis à un moment donné, je ne me souviens plus c'était quoi la discussion, mais j'ai abordé le fait que mon arrière-grand-mère Léa Létoile, elle avait dit à ses 21 enfants, personne n'a sa carte, il faut qu'on soit ni vu ni connu. Parce que même si les pensionnats ferment un après l'autre, c'est sûr qu'il va continuer à avoir des choses encore qui vont arriver, des atrocités que nous, on entend encore parler qu'en 2019, on les trompe. Donc, les 21 ont fait promettre à leurs enfants, donc ma mère, ses frères, nous autres aussi, il n'y a personne dans mes frères et sœurs qui ont leur carte. Donc, puis ça, d'aborder ça avec la classe, ils ont fait « Ah, avec les pensionnats, c'était vrai, là! » Puis, tu sais, ça avait juste comme permis que ce... Ben, tu sais, encore aujourd'hui, une de mes amies m'en a parlé de « Hey, ça, là, de comme se rendre compte que c'était vrai, parce que on le lit, on le... » Mais quand tu n'as pas de personnes qui ont vécu un peu le contexte où... Des fois, ça fait que ça nous touche à moitié, puis des fois, ça rentre par l'oreille, ça sort par l'autre. Donc, je pense que des fois, bien, ça permet des belles discussions comme là. C'était « Ah, OK, on ne savait même pas que toi, tu avais une génétique. Tu sais, bon, si tu es brun, cheveux bruns, t'es brun, ça fait qu'il y avait quelque chose. » Mais sinon, mais oui, je pense que ça peut amener des belles discussions quand même, quand il y a un petit malaise des fois. Je pense qu'il y a on parle du contexte du concept de sécurisation culturelle. Donc, ça permettrait justement, parce que tout à fait, je pense pas qu'il faut éviter ça. Mais être conscient que justement, ben, pas tout le monde. Éviter les malaises et aller dans la douceur quand même, la bienveillance. Pas les malaises, je suis d'accord avec vous. Et l'inconfort. On vient de la transformation. C'est bon, ça. Minutes pour une question en deux. Il va y avoir trois, même. Je voudrais saluer votre effort de traduction interculturelle au sens des sous-ancêtres. Je pense que c'est ça l'idée, c'est de
trouver c'est quoi les points sur lesquels on peut s'entendre, s'écouter, se parler, mais c'est jamais parfait, effectivement. Fait que je pense qu'il faut quand même être attentif, être vigilant. Puis j'ai beaucoup aimé que tu poses la question de la pédagogie autochtone, parce qu'au-delà de parler des réalités ou des perspectives autochtones, je pense les intégrer, c'est quoi fondamentalement l'éducation, le processus éducatif chez les Autochtones et cette idée de, quand tu as évoqué la pédagogie expérientielle, parce qu'en fait, à la fois Tim Ingold puis David Abram en éducation autochtone, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont étudié à travers leurs travaux anthropologiques, c'est que chez les Autochtones, en fait, éduquer, c'est montrer le monde, c'est présenter le monde, c'est pas le représenter. Alors nous, on est toujours dans la représentation. Et en fait, la littérature autochtone, je voudrais qu'on reconnaisse que c'est un pas que les peuples autochtones font pour aller vers nous, pour nous parler, parce que c'est pas leur mode de communication. Donc, on n'est pas dans l'oralité, on n'est pas dans la présentation du monde, on n'est pas dans l'échange organique de l'air qui passe à travers nos poumons. Pour s'exprimer, on est dans une technologie de l'écriture qui est une invention de la modernité. Donc, moi, je reconnais qu'eux, ils font ce pas pour venir vers nous et nous aussi, on va faire ce pas pour dire oui, on peut prendre, puis je vous invite peut-être à voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, c'est une idée que j'ai, mais comment on peut prendre cette littérature autochtone et aller à les rencontrer dans quelque chose de plus en contact direct ou immédiat avec le monde. Donc, je sais pas, c'est comme, je pense qu'il y a comme un effort des deux côtés à faire, c'est que puis moi, c'est quelque chose que j'ai envie de réfléchir. C'est comment est-ce qu'on peut prendre cette littérature autochtone, mais lui donner quelque chose, tu sais, la mobiliser de manière plus organique, plus holistique, plus directe. Dans cette idée de pédagogie de la rencontre de l'autre. Donc là, il y a un genre d'écran, il y a un écrit où on peut peut-être se rencontrer plus immédiatement. Je sais pas. Merci pour l'intervention parce que c'est un travail quand même en construction, très embryonnaire la partie. Mais ça aurait été le fun de voir le Géniali, comment qui. Ouais, il y a une plateforme Géniali que il y a une partie de matériel. En fait, il y a énormément d'activités, énormément de choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui. Ce n'était pas l'objectif. Et évidemment, il y a des choses qu'on s'en va vers des activités plus expérientielles, plus émotionnelles, des activités créatives, des activités de discussion, etc. Mais on ne vous a pas montré, on nous a montré une partie du premier atelier. Et quand même, j'aimerais vous remercier à vous quatre. Et particulièrement parce que c'est quand même on s'expose beaucoup quand on présente un matériel qui est en cours de construction. Et en même temps, c'est une exposition qui est très, très fructifère. Moi, je trouve qu'on ne fait pas ça, ou peut-être qu'on ne le fait pas assez, je dirais. Et de présenter des choses qui sont en cours de construction, quand c'est une étape super nécessaire. On a tendance à présenter le produit final clean et on est très loin de ça aujourd'hui. Donc, à suivre, on pourra vous présenter un peu plus le 31 mars 2025, quand la deuxième phase va finir. Et après, on verra. Non, peut-être que je vais envoyer le matériel à Mexique et Marie-Carmen va le traduire à l'espagnol. Donc, merci beaucoup énormément. On se donne un heure pour dîner et on se rencontre pour une activité de conclusion, mais dynamique ensemble. Je ne vais pas vous donner une heure de conférence loin de ça. On va faire ça avec une dynamique que j'ai préparée. Donc, il y a ensuite la conférence de Mélie pour clore les colloques. Donc, mangez bien, revenez à temps. Merci.